Thank you.
Filinfo. Le fil info de la matinale de ce 8 mars 2024, chers amis, bonjour. Alors, aujourd'hui, le 8 mars, journée internationale des droits de la femme, les amis, cap sur Kinkala, où la ministre en charge de la promotion de la femme, Inès Ngané, a choisi, le ministère d'Inès Ngané a choisi le département du Pôle pour toutes les festivités du 8 mars, développement de la matinale, place à la matinale. Chers amis, bonjour. On va demander du côté de la régie à tout le monde jingle, puisque nous allons vérifier l'information qui rentrait au moment où on passait le fil info. Si la régie est là, tout le monde jingle là, en attendant, bête vérifier information au niveau de la régie, s'il vous plaît. Si on peut remettre, voilà. En attendant que bête vérifier moi qui m'a. Faut pas blaguer des. Ziana TV, il n'y a pas de. Ziana TV, la chaîne qui nous redonne de l'espoir. Ziana TV, c'est la chaîne qui nous accompagne au quotidien. Ziana TV, c'est la chaîne qui te dit vas-y, on avance. Allez, allez, on y va ensemble. Ziana TV. Faut pas blaguer des. Ziana TV, il n'y a pas de. Faut pas blaguer des. Ziana TV, il n'y a pas de. Paris et partout ailleurs dans le monde suit Ziana TV. Ziana TV. Faut pas blaguer des. Ziana TV, il n'y a pas de. Ziana TV, la chaîne qui nous redonne de l'espoir. Ziana TV, c'est la chaîne qui nous accompagne au quotidien. Ziana TV, c'est la chaîne qui te dit vas-y, on avance. Allez, allez, on y va ensemble. Ziana TV. Faut pas blaguer des. Ziana TV, il n'y a pas de. Alors, chers amis, bonjour. Eh bien, écoutez, parce que nous avons eu une information qu'il fallait vérifier. Benza, bah, une information que Kouisa compte direct. Donc, c'est arrivé. On a pris le temps de vérifier. Mais bon, l'information n'est pas consolidée. Donc, on ne peut pas se prononcer là-dessus. Alors, les amis, un réel plaisir. Vendredi, le meilleur jour de la semaine pour tout le monde, pour moi et pour vous aussi, j'imagine. Parce que ça annonce le week-end. Mais notre week-end sera vraiment mouvementé parce que la journée de demain, aujourd'hui, nous allons avoir droit à l'épisode 3 de I de Verre Moani. Et demain, ça sera épisode 4, I de Verre Moani, parce que demain, ça sera un face-à-face, le comte de Courbevoie face-à-face avec Monsieur I de Verre Moani, le député de la majorité présidentielle, Yandina, Yann Kekuiza, Kouzoz Beto, Kourajina Vanayao, Betketala, Yann Yamezoza, Tianzab, Zonzaloum Poutou, Yann Kekuiz distillé, bah, volé oratoire à Yandi, une émission spéciale que nous allons organiser, lui et moi, face à face, samedi, le 9 mars, à partir de 12h, heure de Paris, 12h, heure de Brazzaville. Bah, vous vous attendez bien comment ça va être chaud. Et bon, comme il n'a pas sa langue dans la bouche, et donc ça va, il va essayer de nous expliquer, Yann Nzolavan, le ministre de l'Intérieur, qu'est-ce qu'il va faire pour la sécurité du pays. Voilà les questions que nous allons lui poser, lui, député de la République, membre Kaka. Donc, Kaka,
Mettre personne à trouver ma question. Ok? Ne mettre poser ma question. Il y a que bandabika. Alors, les amis, en cette journée, je voudrais vous demander de partager la vidéo. La vidéo, il y a la matinale, il y a Bobiaï. On va faire l'exercice. Nous aimons bien cet exercice. En dernière partie, vous allez avoir l'épisode 3 de Idever Moani. Mambo Mingi Kenaku Basikak. À la fin de notre émission, vous aurez ça. Et vers la fin, Bete Lutis Beno, extrait épisode 3. Moi, je vous ai dit, on prendra un mois pour vivre l'événement Yina. Donc, épisode 3, il y a de Yaboubiaï. Moukel Toulbeno Bima, Benoku Wadiak Wabima, Mingi Kenaku Bete Analyse. Ensemble, nous allons tout analyser ensemble, les amis. Bon, on va partager quand même la vidéo. On parle, c'est bien, mais il faut qu'on partage quand même la vidéo. Voilà, l'exercice, il faut mettre partager vidéo de la matinale. On y va. Moi, je fais mon truc. Voilà. Je vais copier le lien. Mon Félicia, on a un truc qui n'a pas. Il y a des gens qui ont battu à Zoz et là, qui ont battu à Zoz. Qui battu à Zoz. Il y a des gens qui ont battu à Zoz. Il y a des gens qui ont battu à Zoz. Il y a des gens qui. En tout cas, vraiment, l'être humain est insatisfait. Hein. Vraiment. Même si on salue ma communion, surtout en dimanaïté. Donc, il faut calculer ma minute. Donc, il faut que je joue en minuterie ou à bord. Là, comment le balinga là. Ce qui est ici, il faut que je joue en Congo. Moi, je suis un fils du pays, Naïb Sarabino. Moi, je suis du nord et du sud. Nazan la Katika. Donc, je suis en Païté. Donc, je suis en Abino. C'est-à-dire que le débat, on a un peu de temps. Bon, vous créez pas mon sous. Débat ou les athées. Vous tchèque en débat ou en débat ou en nation, c'était banique. Il faut tout ça là, débat mon sous. Autour ça là, il y a des gens qui sont nés comme ça. Et bien, Pambola Baron en Zambie, voilà, il est né du deux côtés. Donc, Zambie à Pambola, parce qu'il y a des gens qui sont nés comme ça. Il y a des gens qui sont nés comme ça. Comme il faut battre mon sous, Botama, Bazala. Bah, avec un métis, bah, café au lait, c'est comme ça si vous voulez. Peut-être le mot métis vous embête. Café au lait si vous voulez bien. Ah, Benia. C'est compliqué, hein. Et ben, toi, compliqué. Mais vrai, compliqué. Mais vrai, vrai, compliqué. On va partager la bateau, tout lingui, tout tien de la bango, ma lien. Ce qui était, et que ça, là, va tremblement de terrain. Même ceux qui vont la tête, mais il faut bailler, sinon va tiner la gamangwa. Ah, voilà vraiment. Ah, Beniaï. Bon, voilà. Maintenant, je vais commencer Banda maintenant. Messe à Betou, il y a Boubiaï. La messe va commencer bientôt, les amis. Pas que ma banga, jamais promis. Jeudi, na vendredi, vous avez droit à ma banga. Oui, j'ai ma parole quand même, il faut me reprendre. Mon respecté Yao. Alors, Jean-Pierre Leco, bonjour à toi. C'est Christian Otouli, bonjour à toi, mon cher ami. Médica Malou, bonjour à toi. Et, bon, si vous avez des noms en portugais, comment voulez-vous? Bon, vous faire un exercice, c'est Belena Tangapé na portugais, hein? Ou en espagnol. Vraiment, est-ce que c'est normal? Et, Yaya Makapache Bebeni, bonjour à toi, Philippe Assompi. Yaya Nabiso Yambambota, le camp de Courbevoie. Alors, bonjour à toi, Londre Chitembo, JF Dallas. Recevez le bonjour du comte de Courbeva, Lévan Valentin, bonjour à toi, John Smith, bonjour à toi aussi. Bonjour à Marker Mabundu, reçois le bonjour. Bonjour à Flavien Guémy, venez recevoir en beauté le comte de Courbeva, Mnapsa, Christian Bayikola Milandou, bonjour à toi. Georges Olivier Louembe, reçois aussi les salutations du comte de Courbeva, Soule Upimba, Jean-Pierre Leco, Beninion Suina, Benkouzo, en beauté, Yamounou, Fumou, chef Kanda, Mbotiangé. Mbotiangé, mon cher. Mbotiangé aussi, Rock Hallyday, bonjour à toi, Jérôme Loufoy, Yann le nationaliste, le seul juriste qui me reste, bon, ouais. Mais il faut me former, Yann est bien encore. Christian Otouli, bonjour à toi aussi, bonjour à Deklou Bumba, bonjour à toi aussi, Barre de Fer Zizou, reçois le bonjour du comte de Courbevoie, Pascal Mavungo, bonjour à toi aussi. Bonjour à Odior Madingou, Mbotiangé aussi. Bonjour à Tikaya Nonga, reçois le bonjour du comte de Courbevoie. Benoukouzouan Bote Yamouni, le comte de Courbevoie, Natiloumboua Boubia, vendredi 8 mars. Alors, aujourd'hui, on va choisir les femmes. C'est la journée internationale des droits des femmes. Les femmes, Boti Alelo, priorité Nabino, parce que là, les hommes, là, vous accaparez toujours. Boti Kabasibat, ça va commenter, on appelle ça la mon Bote. Aujourd'hui, c'est votre jour. Bonjour à toi, Diafoukouita. Alors, Baniga, Bakento, Beni se manifeste. Mon Pessa, Ben Mbote, Audrey Baudou, bonjour à toi, Congo Liberté. Ben Pessa, Ben se manifeste. Il y a quelques jours, fête, il y a Boubia, il y a fête, il y a Bakento, il y a Benové.
c'est pas pour vous. Ezali Yabinoté, Ezali Yabassimo Koryalelo, Deo Gracias, bonjour à toi aussi. Bien-aimé Dimitri Nzozi, bonjour. Alors, Mna Zola Kabakento, Mupesba, Mna Pesla Roma, Mabanga Lelo, Renette Mbeba, bonjour. Bonjour à toi. Bon, Bino Mibana, comment sauter, Bino? Je cherche les femmes, je vais dire bonjour à toutes les belles femmes du Congo. Bangonion, surtout, elles sont toutes belles. Mupesba, Mbote, Boubiaï, voilà. Mabanga Lelo, Yali Abassi, Bino Temibani. Elles sont où les femmes? Manifestez-vous. Beni Sonika. Bonjour, Bambote. Alors là, aujourd'hui, c'est la journée internationale des droits de la femme. La femme doit être à l'honneur. Boubiaï, BTPS Pakent, Mouna Sousaba Pakent, on va qu'élever. Ou à côté, Benikel, vraiment. Ah, ah, vraiment. Même il faut me connaître, ça, 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 ça. Samoukounou, Alice, bonjour à toi, maman. Voilà, il faut Pakent, Pakent, Mouna Sousa. Elodie Nyongi, bonjour à toi. Sylvie Esther, bonjour à toi. Alors, Moni Pakent, non. Karen Kelly, bonjour à toi. Soule Opiba, bonjour. Moni Bakent, Adrien Njokolo, bonjour. Voilà. Bami Bal, Botika, place et paya, Basiba Pesa Bambote. Hein, Steve Peya, bonjour à toi. Alors, Moni Bakent, Albertine Fenet, bonjour à toi. Ornella Ngukulu, bonjour à toi. Mwen Okasi, yo, parce que Okabula, Wifi, Yangwana. Elles vont se connecter comment? Y a pas de courant. Comment ça, y a pas de courant? Non, il faut pas me dire qu'il y a pas de courant. Courant est élevé. Oh, tiens, du quoi? Ah, pourquoi il est élevé? Ah, tiens, les caca, quoi. René, comment on appelle ça? Renette Mbemba, bonjour à toi. Bonjour. Françoise Bouelosa, bonjour à toi. Alors, mon nom, on a sur ça, toi. Ah, ouais, faut savoir que se connecter. Bah, mes zeng, courant, bah, la zola, veba, kuita, la matinale, Adou Donga. Tika, bah, je, na, yoan. Tika, bah, je, wana. Tika, na, basi, bah, yaka. Venez, les femmes. Venez, c'est Alexandrine Ngwari. Bonjour. Alors, bonne fête à toi aussi. En fait, il y a même une boubière. Mouna Sosa Bakento, Awa. Mouna Sosa Bakento, même Babaka Lavé. Moi, j'ai besoin des femmes aujourd'hui parce que Mouna Sosa, Rachel Moudounou, bonjour à toi aussi. Bonjour à toutes les femmes de l'association La Matinale. Ben Nyon, sur Ben Ouzouambo, tu as le compte de Courbevoie. À ceux qui l'ont cité, Awa, peut-être n'a raté qu'on voit Batoumi Soussoua et Ouzamindondo. Ben Nyon, Soane. Donc, on va quand même les citer. Chez La Fongue, bonjour à toi. Olivia Lordab, bonjour à toi aussi. Petre Nadej Nombo, bonjour à toi. Moukena Koussosa Bakent, Lelo, ma bangé à l'épanna Bassi, Lelo. Chez la Fongi, reçoit le bonjour du camp de Courbevoie. Lini Bagana, bonjour à toi aussi. Bonjour à Hélène Moukouyou, Ben Yosso, Ida Siemo, bonjour à toi. Petre Koussosa Bakent, Petre Pesa Bakent, Boubiaï, Mbote, Yake Jouria Bao, Ni Bakent, Boubiaï, Petre Stella Bayon, bonjour à toi. Bassi, Nanazo Lukaka Bassi, Nao Luka Mibale Aote. Nao Lukaka Bassi, Binote Mibale, Nao Senga Binote Mibale. Et Nadej Nombo, bonjour à toi aussi. Niba Kent, mettre la sosa, boubia, mettre Pesabao, Mbote Boubiaï. Ou à côté, Bakel, Bakent, manifestez-vous si vous voulez avoir le bonjour. Alors, Flore Makali, bonjour à toi aussi. Bonjour à Joséphine Bantiba, bonjour. Flore Eliane, double M, bonjour à toi. Alors, mon Gepesso, c'est Mbote. Na Marie Adela Djembo, Marie Adelaide, bonjour à toi aussi. Yannessi, Kent, y a association la matinale. Lurette Bonazemi, bonjour à toi. Bon. Il y aura ceux qui auront la chance, mais les lapins, par hasard, ou au moins Moté, par exemple, à JF David. Noël, la Louisienne, bonjour à toi aussi. Bonjour à Charnel Michouemba, bonjour à toi aussi. Rebecca Mungonga, reçoit le bonjour du comte de Courbevoie, Bawina. Bukena Kusosaka, Bakentu, Abeto, Bakentu, la Congolaise. Honneur à vous aujourd'hui, les femmes. Honneur à vous, Ursula Ressa, Opéré, bonjour Léa Samba, bonjour à toi. Et alors, honneur aux femmes aujourd'hui, ni bakent boubiya mouke pesa mbote boubiya et ma banga yalelo yale abasi. Abasi mokolo yalelo. Lurette Bonazemi, Ben Union Soyina, Mouna Pesaka, Christiane Kouansi, alors reçois le bonjour. Marceline Kotodi, Efragi, bonjour à toi aussi. Marceline Kibonzi du côté de la Suède. Et bonne fête, Nayo Lelo, journée. Et Abake Bokilaka, droit de la femme. Ben Union Soyina, toutes les femmes, où que vous soyez, Anne-Marie qui Anne-Marie Mbemba reçoit aussi le bonjour du comte de Courbevoie. Bonne fête. Laure Bakoua, Benignon Suina, Emilienne Bouka, Benignon Suina, Benignon Sotouana, Bozoambote, le comte de Courbevoie, Léa Samba, Isabelle Mavungo, bonjour à vous. Alors, opportune Georgette, coucou. Alors, bonne fête aussi, Benignon Suina, Bakento, Boubiani Bakento, Benveva Bakala. Allez, là, c'est mal tombé pour vous. Flore Makani, bonjour. Boubia Yake, Odette Bissomolo, bonjour à toi aujourd'hui, non. Botique Langa Ibassi Lelo. Botique à place, c'est pas Ibassi. Botique Langa Bassi aujourd'hui.
Botique Langa Bassi Lilo. Botique Langa Bassi Lilo. Binoté, UREF, c'est comme tu dis ça. Lilo Yali Julia, UREF, c'est Yvette Ngoma. Bonjour à toi aussi. Alors, ba union se yina, bon, ba yin, le simula vous avez. Parce que Missus, on a pas comme moi, il Missus, il y a Bassi, puis on ne sait jamais. Donc, il passe. Alors, Uriel Bansiba, Epiphanie Auberge Matondo, bonjour à toi aussi. Alors, bonjour Maninga, Otopesa, Isabelle Mavungu, Betepesa, Boubiaï, Aimé Nani, Aimé Nani, Uriel Bansiba, Betnezos aussi déjà, Irène Chitembo, Mbo Tiange aussi, Lélo et Ali Jour, Yabassi, Lélo Mokolo, Yabassi, Topesa Mango, Raissa Empire, Nyon Sune, Betepesa, Mbote, Nabaket. Alors, Maninga, l'heure qu'on a l'outa Kambango, Betukwen à côté à la régie, ça sera durant l'air que vous jouez aussi, Baket, Toka, Kamoke, Pesa, Mbote, Awa, ne vous en faites pas. Pierrette Bon Gonzalez, bonjour à toi aussi. Aline Mondio, bonjour. Alors, Boubia, il y a quelques jours, il y a Baketo, il y a un peu de ça, il y a Baketo, Nyonso, Boubia, Sandra Priscilla, Okuro, Nanga, bonjour. Voilà, il faut te ça, Bassi Mbote, le nom a parlé, il y a Bassi. Hein? Bino, on a fait ça, Bino Mbote, colonie sur toi. Hein? Pierrette Sadisi, Nina, je ne sais pas comment, là, bon, voilà, Patricia Ndingula, Ben Nyonso, il y a un peu de Mbote, il y a le comte de Courbevoie, Baninga. Alors, Djembo Maria Adelaide, il s'est déjà dit aussi, divine créature. Alors, voilà, on a même failli oublier Nina Masomba. Bonjour à toi aussi. Dina Dorcas, bonjour à toi aussi. Alors, Vaniga, Benkouzoa, Gervais Rufine Keke, bonjour à toi aussi. Bonjour à Rufine Koumou du côté de l'Allemagne, Botiangé aussi. Alors, Mbote Yabakento, Boubia, Sylvie Edwige, bonjour à toi aussi. Barnion Sunebete Pesabao, Bambote, alors, Bakento. Ah, Sylvie Edwige Mbongo, ça aussi, on a déjà dit. Alors, mais binomi balbo, ben on peut s'embêter la base de la communauté. Vous n'avez pas de femmes. Vous n'avez pas de femmes, vous les hommes là. Dites quand même bonjour à vos femmes. Souhaitez bonne fête dans la base de la binomi. Vous souhaitez ma beauté. Vous avez peur parce que comme vous avez été nan beaucoup lobawana, vous tous là, mettez les noms là. Vous souhaitez fête, bonne fête dans la base de la binomi. Si vous avez besoin de courage, vous comme la base de la binomi. Vous tiens, mettez là, mettez là. Voilà, si n'appelez pas bonne fête à madame. Binomi peut s'assurer bonne fête dans la base de la binomi. Mettez là. Oh, bonne fête, ma chérie. Mettez-la, on va voir, là. Vous n'avez pas bantou, vous n'avez que bana beno. Hein? Ben, tout là, ma koumou, ma ken, toi, benoua, ou abatal, beno, nan, ben, que tout là, ou abatita, la bête, n'yon soit. Ben, ou talaka, hein? Kaka, bonne fête à ma femme, Aline. Ah oui, bon, lui, comment dire? Après, si votre nom, moi, c'est bino, votre tia, ma koumou, ya basse, na binoua. Bonne fête à ma chérie. Mais ma chérie, qui? Parce que tout le monde est chéri. Il faut dire. Il faut dire. Bonne fête à Naniaï. Ah, tchali, beno. Ah. Veniai, ben personne bote à baquet toi benoua, dites bonjour à vos femmes là. Voilà. Ruth Maungua, mais personne bote kuna. Liliane Mayala, mais personne bote. Voilà. C'est comme ça. Mon cœur à Sergi. Mais le cœur de Sergi là, a un nom. Il faut donner le nom. Bonjour à la comtesse, le vous, Prisca Marlène. Voilà. Mais personne bote aussi. Alors, bote à kaka nani. Nani, ben me pèse pas bote. Moutalawa, Yolande Ouamba. Mouchangé, ma me pèse awa. Voilà, y'a kaka nani. Hein? Épouse ou Flore, bonjour. Bah, mes pèses n'importe. Ah, les lobazo koumi sabino basi. Louéba, ma chérie, bah, mes pèses n'importe. Alors, madame Ngwala, bah, mes pèses n'importe. Richel, bah, mes pèses n'importe. En pilan, Nelly, bah, pèses n'importe. Awa, voilà. Hein, ma femme est de vie, je peux ma pèses n'importe. Voilà, Yewana, Audrey Ngila, bah, pèses n'importe. Bonne fête à Tan. Oh, bon. Ah, ils sont trop drôles. Les gens là sont très drôles. Florent Guibi, ma pèse, aussi beauté. Alors, un bon coup, mais ça passe, pas si pour une fois dans l'année, vous ne pouvez pas dire ça. L'homme est Caroline. Alors, faites ça pour vos femmes quand même. Coucou à madame Anne. Oui. Ben, pèse, beauté, ma quête, toi, ben, ma Julia, ma pèse, beauté. Bonne fête à qui là? À ma Flore. Ah, ma maison, je vous. T'as là, sogi, à la boue, la gâche. Bon, pèse, ça, la cause, là. Appuie, chérie, ma pèse, yop, beauté. Christelle, ma pèse, yop, beauté. Fauvette, ma pèse yon pe mbote. Mbote Moussous, ma pèse na nani. Angèle Chantal, ma pèse yon mbote. Ah, tiens, non, on n'a pas dit de mettre à toutes les femmes. Irma Koukou, mbote, pas toutes les femmes. On vous connaît là. Vous cachez derrière toutes les femmes là. Lombe Caroline, ma pèse yon aussi mbote. Ma pèse yon aussi mbote. Alors, ma femme Erine, Tikaen Nanga, ma pèse yon mbote. Madame Malik, à Clermont-Florent. Ah, en tout cas. À Clermont-Ferrand, voilà. Ben Pesa, Bambote Nabaken, toi, Ben Nikwa, Ben Nabo Vinglaga, Bopesa,
Et un jour, si, surtout, même il y a des gars, ça peut s'imboter dans maman en tout. Alors, donc, Binosu, on peut s'imboter. Maman Koubemba, voilà. Mbotiange aussi, bonne fête à ma monde de femme, voilà, à mon épouse. Judith et mon calobi, Judith et Nanu, Baron Bazam, bah, il a deux femmes, lui, il a dit. Bonne fête à Berthe, bonjour. Bonne fête à Aline, mon Dieu. Va me penser aussi, Mbotiayane, la Bakalayane, Madame Nania, Astrid, va me penser Mbote aussi. Bonne fête à Michel Kimbassa, va me penser aussi Mbote, Yawin. On est en train de dire bonjour aussi à toutes nos femmes là. Aline Mbogui, bonjour. Rokade, Elsa Fila, aussi. Love Kisengo aussi. Ah, Beno. Ah, bonne fête du 8 mars. Bon, bonne fête à ma femme. Non, bonne fête au Kikomo et moi, c'est Nayo. Dans le coup de la rue du Bacana, bonjour, ma mère plus single Simbo Tiangé aussi. Alors, Badiga, ma boy Langaï, les longs week-ends à l'église, ma problème est allé bien à Gatti Manda, qu'on a mis sur Berthe Bizi, ma mère plus single beauté, Camille, Jenaba, ma mère plus single aussi beauté, ah, la femme, Stani et Chanel, avait dit donc. Donc, comment tu as, comment à Banana Bino, la zone, mon épouse Nelly, alors, ma mère plus single aussi beauté aussi. Ah, Badiga, y a qui passe, hein. Y'a quelle quoi ni passi, bête yaï kaka passi, Chardin et Clarina, bonne fête à toi, va me finir sur une beauté, bête quoi le métier de la régie, l'heure que nous voulons ta mingi, bête ça là-bas, non, c'est parce que ma bouquet, mingi. Alors, d'accord, déco de idée, moi. Alors, Serge, quoi, quand même, on peut se mettre dans moi cité, pèse à maman beauté, pèse à maman beauté, on peut se mettre à maman beauté, t'es pour l'année. Bon, pèse à maman Angélique, bonne fête. Marie-Thérèse Babacana, bonne fête. Maman Félicien aussi. Il m'a oublié. Aïe. Quelqu'un est passé à moi. Bon, maman Do. Bon, coco, pèse à peu près la sœur Nabino, puisque au Congo, là-bas, il y a beaucoup de femmes qui n'ont pas de mari aussi. Bon, donc, il ne faut pas les oublier aussi. Ma sœur Nabiso, au bas, la rabarote, aux arabes étrangères. Alors, il alors, nous sommes. Alors, les amis, c'est un peu drôle quand même. Moi, c'est quand c'est bon, c'est il y a bien quand même, voilà, un peu rigolé. Alors, revenons quand même des choses sérieuses. La régie parle de tout le bête, jingle, le bête, de ma annonce à toi. Alors, on va retrouver quand même notre calme, Baninga. On va commencer notre émission avec les annonces. Les annonces, nous allons commencer avec l'annonce nécrologique. Alors, Baninga, annonce nécrologique, Yaboubia, Kenatabeto. Ah, et s'il est déjà, si vous pouvez, si Bambo, Tewana, comprendre. Bon, voilà. C'était là en direct qu'il fallait agir là. C'est pas votre un message, inbox, oh, bonjour à ma femme, un tel. Non, c'est en direct qu'on vous demande. Alors, Bapang, nous avons des messages nécrologiques, Betke Banda, Betnabeno, Awaboubiaï, qui vont nous amener du côté, il y a Alain Fiako Moukoko. Alain Fiak Moukoko, peut-être que ça donne des informations concernant déroulé aussi. D'abord, Mouketa à côté de la régie, s'ils ont pu déjà mettre sa photo. Oui, nous avons déjà la photo. Alors, Baninga, Yayi, Alain Fiak Moukoko est né le 31 mai 1966 à Brazzaville et décédé, les amis, décédé le 21 février à Paris des suites d'une courte maladie. Il y laisse trois garçons et une fille. L'inhumation se fera ce lundi 11 mars 2024 au cimetière intercommunal de Tremblay en France. Enfin, Tremblay en France, c'est une ville. Les Mukumanampoutou, c'est la première ville côté Mouvandak. Donc ici, je vais vous donner le déroulé. Il y a une information concernant un Pangabeto Alain Fiak Moukoko qui est né le 31 mai 1966 à Brazzaville. Est décédé le 21 février. Il y annonce pas mes pesaveto. Mais t'es quoi l'état là, d'un côté à la régie, si nous avons aussi le déroulé, il y a programme, il y a dit, il peut être pesaveto, il y a Boubiaï, déroulé, il y a obsèque, il y a des fosso, il y a que Salama, il y a Pangabeto, il y a. Bon, le déroulé. Nous avons une deuxième information, un deuxième qui est la Beto, ça concerne M. Manona. M. Manona, mais t'es quoi d'un côté à M. Manona, d'un côté là,
organisation programme il y a observe aussi ba pesaka beto ndi nbet ke tout la benoir bobu ya beto kota la régie na kota la s'ils sont déjà voilà donc je pense que la régie est déjà prête si je me trompe pas voilà nous sommes là bon très bien nous sommes là on va voir du côté de la régie si la régie elle est prête oui la régie aussi est prête voilà donc nous avons aussi monsieur Manona Martin les familles Moussavo Manona Mabika son épouse Manona Rufine, ses enfants aussi, ses petits-enfants et les membres de sa famille vous communiquent le programme des obsèques de M. Martin Manona, décédé le lundi 2 octobre 2023 à l'hôpital Longjumeau, numéro 159 rue du président François Mitterrand, dans le 91, c'est-à-dire 91-160 Longjumeau en France. Donc, vendredi 8 mars 2024, lieu funérarium allemand, 30 rue Docteur Roux, 91-160 Longjumeau. Téléphone, c'est le 01 69 09 20 14. Et numéro et téléphone, si vous voulez avoir plus de renseignements. Là, je vais vous donner le déroulé, comment ma boukédouta, bou journée, il va que ça là, cérémonie, il y a nanié. Donc, déroulement, yakevanda, funérarium, mise en bière à 14h30, recueillement 14h30 à 15h, cimetière de Chili Mazarin, avenue Mazarin, 91 380 Chili-Mazarin. Inhumation à 15h30. Salle de parc de l'hôtel de ville, place du 8 mai 1945, 91 380 Chili-Mazarin. Réception à 16h. Manona Martin, ancien maire adjoint de la mairie de Nkaï, membre de l'Union panafricaine pour la démocratie sociale, UPADS, ancien enseignant au CG de Nkaï. Transport, funérarium, Sabaroukouen, Nukunabus, RATP 199, arrêt Longjumeau, La Rotade, lycée. Cimetière, bus RATP 399, arrêt cimetière. Bus RATP 297, arrêt Chili-Mazarin, cimetière. Donc, il y a un programme à Mepesa Beto, Samona Panga Beto, Manona, Yai Bikaka Beto, depuis le mois d'octobre. Alors, nous présentons aussi nos condoléances à la famille éprouvée. Alors, il y a on a aussi quand même des bonnes nouvelles aussi à vous annoncer. Il n'y a pas que seulement des nouvelles et tristes. Il y a aussi parfois des bonnes nouvelles qu'on peut vous apporter. On a une information concernant un anniversaire. Donc, anniversaire, il y a Boubiaï, il y a que Vanda. Anniversaire, Betkuntal à côté à la régie, ici, va mettre tout déjà photo. Il y a anniversaire, il y a Mama Betu, il y a que Vanda, qu'on a Abidjan, il y a. Elle s'appelle. Et Maman Louise Diabantou. Maman Louise Diabantou, il y a un qui a fêté ses 70 ans. Vous voyez comment elle est encore jeune. Ah ben dis donc. Ben voilà. 70 ans, elle fête son anniversaire demain. Mais comme demain, la matinale est élevée, donc vous mettez mes salaires à Boubiaï. Elle fête ses 70 ans, samedi 9 mars. Elle s'appelle Louise Diabantou, il y a un. Les petits-enfants et sa nièce de Londres lui souhaitent un très joyeux anniversaire d'avance. Que Dieu la protège encore et beaucoup de love et surtout beaucoup de bénédictions. Zambe vandanangé, bon. Soki, tokoko, zoa, avion, toko, tine de la biso, diète, couvert, ou zoa, biso, te, ou tine de la biso, la champagne, la biso, la routine de leur numéro à téléphone à Western Union, ou tine de l'angana, mais la champagne à Wanandako. Joyeux anniversaire encore à maman Louise. Alors, papa Ngamoun, il y avait une manisa maintenant, info, bandit, la bête, peut-être demander, la tour bête. Non. On a aussi une information, mais cette information, nous allons la traiter tout à l'heure. Na et les bêtes bada et monsieur Abed. Alors, la régie, s'il vous plaît, tout le bête jingle bête bada et alors, les amis, bonne séquence Vandik Nabeto Awa. Tout à l'heure, on a un peu rigolé. Bon, il faut rigoler, il faut lier l'utile à l'agréable. Ninga, il y a que bada ka fosuin. Il faut lier deux fois l'utile à l'agréable. C'était un moment convivial, mais vivre au Betnabeno ensemble. Hein, on a fait quand même honneur à nos femmes. Nous, on sait quand même faire les choses. Hein, donc, on a fait Betme fêter. Donc, à toutes les femmes, que ce soit Suzanne TV, que ce soit partout, donc, par le monde, bah, Union Suina, bonne fête à Ben Union Suina. Regardez-moi des farceurs comme ça. Il est incapable de dire le nom aux toutes les femmes. Découte-toi si tu es un farceur. Oh, mais mon anganavé. Mon anganavé. Mon yaoui, wap yaou, yaoui yaou, alliance yaoui yaou. Bon, Baninga, ton comico banda, mais tout à l'heure, si va me préparer, météo, il y a la bourse, boubia. Mais tout à l'heure, si à combien nous sommes en train de négocier, météo, il y a la bourse, boubia. Toutefois, je peux toujours profiter de la sécurité avec les femmes qui sont là, les jolies femmes là qui sont là, les femmes.
Où êtes-vous ces femmes-là? Pour que mon pestre toujours qu'à bambote, mettre de la bourse. Mais voilà, il y a qu'elle a augmenté toujours. Nous sommes à 80 dollars, 42 cents. Il n'y a pas de bête qui n'a pas de sac à pétrole à bête. Tous autres qui sa pétrole à bête sont à 83 dollars, 42 cents. Bissengoya, Ludovic Ngatché, Ludovic Ngatché, tout content. Il est fier de lui. Nsaya Ming, Kenayan, Ludovic Ngatché, parce que Bouya, Mbongo, Kenakokota, qui a toujours la carte à caisse à l'État. Il est en train de se faire, parce qu'il y a un bibi, il y a un matériel, il est là. Il devait avoir un animal, il est là, il y a un gang, il n'y a rien à foutre. Le chien à bois, la caravane passe. Mbongo, Kenakokota, à côté, Mbongo, qui est vendu, qui est là. Vous savez, c'est le moment pour moi pour vous donner une information. Le complot contre le peuple congolais a toujours commencé depuis, il y a mandat depuis Tama, ça ne date pas d'aujourd'hui. Quand Kabinobo découvrit Makambolelo, vous avez l'impression que non, membre Malmalou, Kenabouyilamaka, non, membre Union souhaiterait vivre dans le Congo, Abeto, il y a que depuis Tama. Le pouvoir en place aujourd'hui, le pouvoir du Congo Brazzaville, ce sont des gens, des comploteurs, c'est-à-dire que Bazo là-bas avait ma Congolais. Et ce sont des voleurs nés. Pourquoi je le dis les voleurs nés? Parce que Kakaya Benakutala Pétrole, c'est parce que nous avons décidé de mettre à jour et de donner à toute la population congolaise. Pour que Mazam, tu ne mettes pas Texaka Pétrole, Talambon, Winkekota, Tolomelaka Pétrole. Le saviez-vous? Et lorsque le président de la République a fait son, le petit numéro, moi j'appelle ça le petit numéro, Bame Bokila, bah, député, les Godieux de l'Assemblée nationale se retrouver entre eux pour que Bakuz il levait Verum aussi. Il y a un sale voyage, un prix bon en Poutouawa, et un terrisse à pétrole avec une place, ça va, italien. Il y a quel numéro? Il y a même Voutou Gnaboala, Bamessala, à Organisation Baba Kwenda, inauguré maintenant que non, le Congo vend maintenant le gaz. Le Congo vend maintenant officiellement le gaz. Et j'insiste sur le mot officiel. Est-ce que vous le savez, les amis? De 2000 à 2005, le Congo vendait déjà le gaz. Le GNL, le GAV est naturel et liquéfié. Ce gaz-là a été vendu. Ou à côté Mbongin Valu Kwendaka. Ou à Piba Trasaya ou sur le budget, il m'a vendu à voter entre 2000 et 2005. Est-ce que l'île Kekuna Mbongoya Gazin Valu Kotaka ou à côté Valu Kwendaka? Pendant 5 ans, Naïna, Puyaba ou Yankosaïna, ils ont vendu le gaz. Le gaz, on vendait déjà le gaz. Mbongo Valu Kotaka. Mais sauf que vous aviez toujours, vous qui avez toujours les yeux fermés là, et à l'époque personne ne partait regarder pour voir, mais ils savaient entre eux. Et comme ils avaient en face d'eux un peuple moutonnier, comment on appelle ça, moi mal mal moutonnier, un comportement moutonnier. Donc ça dit comme des moutons là, lorsqu'on fait comme ça, vous partez, vous marchez comme ça, tête basse, vous savez pas. Ah, c'est pas moi qui le dis, on a dit que le gouvernement, ils ont un comportement moutonnier, bah nous c'est un cas gouvernement, bah qui est mouton. Bon. Bref, comme Ben Bené Kosa, sauce vous avez, Ben Banzabave, Ben Banzoraka, pétrole, et d'ailleurs, est-ce que vous savez même qu'il y avait même le pétrole? Et vous savez à combien on vendait même le pétrole? Rien. Vous vous contentez seulement, Obama Zosa, budget, même voté tant, Beta vous avez. Et le président de la République, puis c'est Zosa, au vu la chute du prix du baril du pétrole, mais vous avez, il n'y discute pas, vous n'avez tout, n'a pas un bobiné, tout. Il faut suivre, mais tu peux que mes salaires. Maintenant, Vingla Basadia qui a discours dans Josa, oh, avec la crise, oh, nananiya, awa, Kassamwa, oh, Israël, nanana, Palestine, Bazo, Bunda, oh, Buenaboui, la chute du prix du pétrole, Buenaboui, Kassamwa, mais ah, bah, ça se discroite. Et si, la monocron, bon, il quelle vie. Gaz, la vana, voté, gamo, depuis Kala, bon, 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 kenewa, bon, 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 je suis même issu, bah, qu'elle m'a pris à Kakakou, ne va qu'exploiter le pétrole. Personne n'est au courant que nous va qu'exploiter le pétrole, qu'on a, pas que t'exacte. Je suis sûr que parmi Bantuna, il y a des gens qui vendent le pétrole. Il n'y a que même pas de traçabilité, il est élevé. Même quand on a budget à l'État, Bazab, Vetia, Mbo, Moutou, Moskékou, Naké, Gouzbaka, pétrole, Naké, Texaka, Ata, Moutou, Zabab. Oh, mais comment? Eh, nous sommes au Congo. Nous sommes au Congo. Au Congo, c'est le pays des possibles. Tout est possible au Congo. Donc, moi, je suis sûr que ces gens-là, ils sont capables. Ben, maintenant, Ba Bumba Yao. Kaka l'élova, comme ma proportion, comme il migre, comme bon, ma soeur, t'es, ticato l'axe. Mais sinon, on va exploiter que le pétrole depuis calme. N'a pas mindele, n'a pas dirigeant, n'a pas complot. Ma dirigeant, n'a pas mindele, bangouana, bamiyibi. Par yo, quand il va salir, il copain d'abango, timo colère l'élova, bisou, toi, il va rater. Mais l'élova, comment il s'abissou, je ne vois pas ça. Depuis calme, depuis tam, à quoi m'a banni salaya. Depuis tam.
et aller le camassicater non au moins on voit capitaine camass il y a que depuis tant bah il que ça là qu'à couner les sociétés pétrolières pour tout n'avoir le bal d'oba par quoi le par quoi mais ce soir va le barater parce que bah encore ils se retrouvaient là bas des voleurs qui sont là tous sur la base hein? Tous les ministres qui se sont succédés là aux hydrocarbures bah au Nigeria mais sont des voleurs, ils sont pas au courant de ça. Le gouvernement bazar non qui peut parler parle pas. C'est vrai ce qu'on nous a dit, le gouvernement là ressemble à un syndicat. Il y a des syndicats. Tu ne peux pas dénoncer l'autre. Pas les gars dénoncer à façon. Au contraire, lorsque tu es même voleur, tu viens et tu vois même ton premier ministre venir te défendre. Présomption d'innocence. Lorsque tu es même voleur, tu sièges toujours dans le conseil des ministres. Alors que la commission met épinglé la bac à 2 milliards. La raison. Assemblée nationale, mais pengenge, là-bas, mbongo, parce que quand tout n'dila, il est levé. Tu es toujours là, tu sièges au conseil. Et il y a les copains là-bas, non, mon grand, c'est Yanni. Au bisou, tu le baka, c'est vrai, d'un côté, par le baka, sinon celui-là qui crie dans sa cuisse, c'est un malade, oui, on doit être des malades, on doit se poser la question. Bisou, tu as un peu peut-être ni bisou, tu as un peu de temps, mais tu as un peu de peut-être ni bisou, tu as un peu de temps, parce que bisou, on passe notre temps chez moi à parler, mais eux, ils sont tranquilles. Qu'est-ce qui change dans leur vie? Ils sont tranquilles. Lorsqu'ils écoutent, là, ils n'ont rien à foutre. Et là, ils sont bien, ça roule au carrosse, ils sont habillés comme des vrais pachas. Baliaka bien, ils mènent une vie de pacha. Bah, que Bana bien, bah, que Oudia bien, bah, que se soigner qui est bien, bah, que Salamam nous soit bien. Ni même que vous n'êtes pas là, parce que vous n'êtes pas là. Vous croyez qu'ils pensent à vous? Ils ne pensent même pas à vous. Alors, Baninga, le premier sujet va nous amener, nous allons faire un tour du côté de l'Allemagne. Côté Allemagne, Maître Kouen avait demandé à Régien tout l'abbé, documents. Ina, Bame Bassis Kuna, ambassade et Allemagne, mais aux acquis informations. C'est une information importante, c'est pour ça que je pense que non, il faudrait qu'on en parle ici. Information importante, il y a quelle est. Moukepe Saben Yaou. Donc, je vais vous donner l'information importante. C'est une information importante. Vous allez comprendre quand même l'importance, il y a information. Donc, il y a Moukepe Sabino, document au Yoto Uchiko recevoir. Document de l'ambassade Baninga Oyo Narotang et la Binango. Ambassade de la République du Congo, Baninga, en République fédérale d'Allemagne. Donc, ils ont dû signer ça, je ne sais pas, le 7 mars, c'est-à-dire hier. République du Congo, Unité Travail Progrès. Donc, communiqué. L'ambassade de la République du Congo en République fédérale d'Allemagne porte à la connaissance de la communauté congolaise en Allemagne, dans les pays sous juridiction et ailleurs. Une équipe du ministère de l'Intérieur, de la décentralisation et du développement local, département des migrations et du contrôle des étrangers séjourne à Berlin du 9 au 21 mars 2024 pour l'enrôlement des Congolais désireux d'établir des passeports ordinaires et de service. Les opérations d'enrôlement se dérouleront au sein de l'ambassade selon les indications ci-après. Pièces à fournir. Une copie de la carte consulaire, un formulaire de demande de passeport dûment rempli, deux copies de l'acte de naissance, une copie de l'ancien passeport le cas échéant, une copie du titre de séjour ou de tout autre document justifiant le séjour dans le pays d'accueil, une pièce justificative de profession, quatre photos d'identité, une autorisation parentale pour les enfants mineurs, frais d'établissement du passeport 120 euros, frais d'établissement de la carte consulaire 8 euros, horaire d'enrôlement du lundi au vendredi 10h, 13h, plus de 13h30 à 16h, samedi de 10h à 14h, fait à Berlin le 7 mars 2024 pour l'ambassadeur. Donc la signature, c'est le ministre conseiller qui a signé Rech Isombo Olanzombo. Voilà, large diffusion. Donc là, Baninga, ceux qui sont du côté de l'Allemagne et tous ceux qui sont dans les pays sous juridiction et ailleurs, on nous avise que non, n'a pas ça là passeport, ben nous pouvons d'apuna parce que c'est important pour nous ça là passeport, on a bino, et ben nous bindengwana. Ben date, va passer en gros, ça va se dérouler du 9, il y a mes os, il y a au 21 mars. Bon, que nous salamo, c'est important. Parce qu'il y a les droits nabino. Il y a le passeport. Il faut que nous salamo, passeport nabino. Bango, bah, équipe en équipe, yakakuna. On va y avoir le cabinet. Un seul bémol que je trouve ici, là, les documents, va qu'elle a poussé ça. Ah ouais. Bon, tchikakabi, bah, phase nabino, bah, salakawa.
Je peux comprendre, vous demandez carte consulaire, oui. Beaucoup de formulaires à demande de passeport dûment rempli, oui. Bon, deux copies d'acte de naissance, pourquoi? Pourquoi deux copies d'acte de naissance? Pour l'année. Pour ça, quand un petit jeu à vous pour l'année, pourquoi vous voulez compliquer les choses? Deux copies d'année, dans 6 secondes. Ou bien une copie de l'ancien passeport. Bon. Si je n'ai pas l'ancien passeport dans la rose ou un annuel passeport à cicatrice, souris, dis-moi. Tout ça, n'est rien. Bon, le cas échéant, une copie du titre de séjour ou tout autre document justifiant le séjour dans le pays d'accueil. Oh, ça va pas, non. Bah, le binabino, il y a des clandestins partout. Ça, vous ne savez pas. Passe la binu, ça, la Congo, qu'on a battu, qui m'a qu'on a battu au bombana. Pour aller voir, pour exiger moto, abimisabino, titre de séjour, à l'angoté. Pour faire le titre de séjour, il faut avoir le passeport. Il n'a pas le passeport, il ne peut pas faire le titre de séjour. Ça va? Ça vous va là ou pas? Est-ce que vous comprenez que non, quelqu'un ne peut pas avoir parfois de titre de séjour parce que Azalina Nignoté ou document justifiant document Nign. Non, c'est un Congolais, c'est un citoyen Congolais. Aïna acte de naissance, naïe à l'accident. Bon, ça, là, il y a un passeport. Il n'y a pas de conditions pour faire un passeport. Dans l'ambassade du Congo à l'étranger, c'est le territoire congolais. Tous les Congolais qui établissent leur passeport au Congo, là-bas, vous ne demandez pas ce qui va se faire au Congo. Non. Vous demandez qu'à moté. Un passeport, la posa, passeport, ça n'est pas lingi. Yote, gros, soka, kouti, na kati ambassade, ya Congo, na Allemagne, kuna, a la kati, territoire congolais. C'est la loi congolaise qui s'applique. Vous n'êtes pas là à demander, est-ce que j'en ai mon canal, est-ce que j'en ai mon canal, est-ce que ça, la kati. Ça, ce n'est pas votre problème. Vous vérifiez seulement que si la personne est congolaise, est-ce qu'on remplit ma condition aux congolais, vous établissez un passeport, yamoni. Est-ce que pouvoir avoir un passeport et comme il dit Kambo, Yabino, est-ce que c'est ça, Panomina Bino, que non, pendant vos pensées à votre passeport, les gens doivent travailler ou les gens doivent avoir un titre de séjour? Ce n'est pas votre problème. Ça, ce n'est pas votre problème. Nazala un titre de séjour, Nazala Nangote, Nazala au chômage, Nazala clandestin est à l'immunité. Ce n'est pas votre problème. Le problème, j'ai besoin de mon passeport, je viens à l'ambassade, je suis congolais, au demander un acte de naissance, Tati Ango, le retour demander, il y a le Congo, la PCO, ma camarade demander la mort à vous soit, exalité, votre phase one. Ne faites pas ça. Arrêtez de faire ce petit numéro. Du petit numéro, ça vous plaire à qui? Bon, moi, c'est l'ingé pas un nain. Ça, vous n'avez pas le droit de le faire. Et c'est ce que je vous dis. Vous n'avez pas le droit de le faire, de imposer aux gens que non, Bayaka va présenter Banino. Ne compliquez pas les gens. C'est déjà très difficile pour avoir le passeport et comme il n'est pas exigé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Au Congo, là-bas, pour faire le passeport au Congo, vous exigez que mon Yaka la carte nationale d'identité. Ici, en France, moi, pour faire mon passeport, je n'ai pas besoin de la carte nationale d'identité. Il y a des gens qui ont des passeports qui n'ont jamais eu de carte nationale d'identité. Ce cas où vous voyagez, vous savez, même si vous avez un peu la carte nationale d'identité, l'État y était. Il n'en a pas besoin. Il n'en a pas besoin. Si vous avez contrôlé, il y a eu un français, vous voyez quand même, ah, même peut-être, il y a un permis. Et pas la bille, vous avez compliqué, mystifier les choses. Pourquoi vous voulez mystifier? Déjà, les gens payent, ce n'est pas gratuit, 120 euros. 120 euros, il y a quand même 80 000 francs. 80 000 francs, c'est pas un bête que vous avez. Il y a quand même mingi. Bah, ajouter encore 8 euros à carte consulaire, donc il faut avoir la carte consulaire. Obligatoire. Bon, c'est bon. Si vous voulez recenser ma Congolais, bah, ça vous n'a d'accord. Carte consulaire, n'a pas foutu à 8 euros. Bon, le vin, il est à 120 euros. T'en refoutes, parce que toi, on a besoin de passeport. Et les documents là, à la con, là, vous demandez titre de séjour, ou bien justifié, et pas à ça, là, tout ça. On n'a pas besoin de ça. Pardon. Botique à mi palewana, bah, j'ai à mi kemi, qui on a botique à vous. Botique à vous. Voilà, et puis la vie privée des gens ne vous concerne pas. Que je travaille pas, c'est pas ton problème. Nous avons la clandestine, nous avons la clandestine. Nous avons la carte consulaire, nous avons la kawana. Nous avons un Congolais, un Congolais qui est en France et tout. Moi, je suis en France. Parce qu'il faut que je me suis perdu mes canons à cause de vos bêtises à vous, à l'ambassade. Pour établir les gens, les passeports, les gens ont perdu leur titre de séjour parce qu'ils n'ont pas pu renouveler leur titre de séjour à cause de vos bêtises. Donc, chaque fois, les gens ont réfléchir parfois. Il faut réfléchir. Ils sont nombreux. Ils ont perdu leur titre de séjour. Donc, vous avez demandé encore votre titre de séjour. Vous avez quand même personne qui va m'attaquer à l'ambassade. Parce que ça, c'est du foutage de gueule. Parce que tout citoyen congolais a rempli la condition d'aller à une ambassade. Ça ne se négocie pas. Pourquoi ça doit se négocier? Pourquoi ça doit se négocier? Ça ne se négocie pas. Vous dites non. C'est bon, le basso qui a mis 1 million pour avoir le passeport. Bon, le basso, donc on fout à 1 million tous les passeports. Mais à condition, on peut s'abuser au passeport. Mais ne venez pas nous raconter les bêtises, des conneries que vous nous dites, titre de séjour, au Costa, et à l'IOT. Yo, on te laisse à la banane, yo, on te laisse à la banane, yo, c'est pas toi.
tu ne payes rien chez moi, tu n'as pas le droit d'abord de savoir ma situation, na poto. Et après, ça sert à quoi? Il faut la cobala, la bana, aux années. Et t'as lioté ma vie privée. Et ceux qui n'ont pas de dealer, ceux qui n'ont pas de mohib, non, le mot ça, les voleurs, vous-même, vous êtes des voleurs, hein? C'est quoi? Business, et ils s'en sortent très bien, ils ne sont pas obligés d'aller travailler, et t'as lioté. Ils ont l'état alimentaire, tout l'état français. Ma question, la demande, la demande, vous avez un peu de quelqu'un est libre. Il y a un peu de salaire, il y a un peu de salaire, il y a un peu de salaire, et comment on appelle ça, vous n'avez pas le droit de lui demander que, un justifié que tu, il y a un peu de salaire. Mais ça veut dire quoi? Vous collaborez avec qui alors? L'ennemi du Congolais, c'est le Congolais. On croyait qu'à l'ambassade du Congo, ni côté de la route, soit protection, mais au contraire, ni bangobo. Pour l'année. Vous voulez faire des clandestins, vous. Attention, ce que vous êtes en train de dire là. Mais parce que ce y a ma famille, la binomotoba, la situation. Ils sont nombreux, vos familles là. Que vous envoyez en France qui ne travaillent pas. Ils attendent de l'argent que vous volez au pays là-bas, que vous envoyez. Papa, dans le mandat, vous allez, ben, tout cité, binomotoba. Bon, demandez, bah, comment ça là. Carte consulaire et coquille, na présenté. Ceux qui n'ont ancien passeport, n'ont l'acquisi, n'ont angoté, bon établi, n'ont passeport, n'ont gaï. C'est fini. Il n'y a pas à demander les gens les coléries que vous demandez là. Et après, ça sera quoi? Vous demandez ce souci. Foutage de gueule. Alors, on va parler de Betri Banda maintenant. Sujet à Kakaya, Betri Fungo, la Betri Kouen, la Téléco. On va aller Télé Congo, mettre là, à la côté de Idever Mouani. Les autres aussi ont pris le pas. Ils aimeraient bah aussi que non. Boubia et Baba Nkuzonza, on va pas laisser la place à Idever Mouani, Yann Mossi, Yann Réunion, en maître. En ce moment, Betang la Zozaka, l'homme du moment, il s'appelle Idever Mouani, parce qu'il y a même Ningisa le cocotier. Il y a même Sekoué Bao. Vous voyez que les états-majors mettent là ma barrière. Oui, c'est ça qu'on appelle l'homme du moment. C'est vrai. N'en déplaise à certains, mais c'est ça. Il a trouvé son créneau, il a trouvé quelque chose, il a ouvert sa grande bouche et il a parlé, il a dit certaines choses. Il a reconnu certains faits. Il y a Mezoza, il y a le Koufoua Bantou, il y a Mezoza, il y a Salapili, il y a Neyin Betri Yufoulia Mbassi. Il faut en savoir si Bantou, Koyan Koufoua Kaini. On veut bien avoir ces informations. Ok, croustillant, ces informations. Elles seront très croustillantes demain pour savoir. Il va quand même s'exprimer. Il sera devant le camp de Courbevoie pour mettre poser la question. Hein. On aura au moins une heure d'échange là, Yandi, en direct sur Zianas TV, la chaîne au cœur des diasporas. Yin Betri ça, la bête Yandi, face à face. Donc, on a la face à face. Et comme Alobich Azo Lukaka, ma journaliste, va poser la question. À Sakani Esprit, la journaliste, à Levé Alobino, Bino Boyebe, à Tamo Salate, tout ça va. Yaka, Lobby, Bissona, et photo, Tokutana, Betke Mekana, bête Yandi. Oya Ebo, le balo, poto, et Mingi Mingwana, Betke Zos qui Kongo Yandi. La lingala tout à ce qui paye bikuna. Donc on a la soka gagné sur le poteau de Natia la lingala de Natia Pena qui compte tout à ce qu'a et sain et sauf. Alors va gagné on a. Oui, il a osé. Il faut le reconnaître. Il a osé. Il a fait des choses. Donc ça. Et les autres ne veulent pas laisser la place. Va le dire non. Ce qui est de Tiana, bisous tout le monde la sous clarté. Bête quoi d'un journal télévisé. Bête quoi d'état la mambo. Bas Ozaka. Le Sénat aussi veut dire des choses. Alors la régie, il y a tout la bête journal télévisé. La régie, s'il vous plaît. Ce soir dans l'actualité, mesdames et messieurs, célébration ce 8 mars à Kinkala, dans le département du pôle de la Journée internationale des droits des femmes. Eh bien, la ministre de la Promotion de la Femme a rendu publique une déclaration appelant ainsi à une prise de conscience collective. Vous suivrez à propos le décryptage de Sarah Mbenza Mokia. Et puis, signature d'un protocole d'accord entre le ministère des Petites et Moyennes Entreprises et la compagnie italienne Impero. L'accord va densifier ce secteur pourvoyeur d'emplois. Enfin, nous recevrons deux célèbres artistes musiciens de la RDC en concert à Brazzaville à l'occasion du 8 mars. Il s'agit de Jimmy Piana, invité du 20h, et de Koffi Olomide en entretien exclusif. Voilà pour la titraille. Bonsoir et bienvenue. Regardez encore une autre provocation de la République au journal de 20h.
nous recevons deux artistes, J.P. Mpiana et Koffi Olomide, à l'occasion de la journée du 8 mars. Il l'a dit. Et il passe, et même il y a un entretien exclusif, mais ça, là, il y a un journal télévisé, il y a Beto, il y a Koffi Olomide. Ah, Baninga, vous savez, ce pays-là me fait mal. Ce pays-là me fait mal. Même lui-même, le journaliste. Et là, M. Ondeli, il n'y a pas que Zonzaka, et Ondeli. Bah, il n'y a que ça, la programmation, il y a une émission, ou bien il y a un journal télévisé. Bah, termine, il n'y a que choisir. Pourquoi vous faites ça aux Congolais? Vous n'avez même pas honte. Lorsque vous venez au journal national, sur la chaîne nationale, le journal télévisé à 20h, là où le président de la République s'assoit dans son fauteuil pour regarder le journal de 20h, là où les Congolais s'assiedent pour avoir les informations nationales, les informations nationales, pour la journée du 8 mars, vous allez faire appel à deux musiciens de la RDC. Et Bozo Salamango, promotion en direct na télé Congo. Botalga, bozanga soni, bozanga mentalité, c'est-à-dire que le patriotisme naïf toi ben le kélévé. Vous n'avez même pas eu honte de dire que non, il y avait quand même J.P. Mpiana et Koffi Olomide, ou bien beaucoup de soins qui n'a yébité, quel artiste congolais va ajouter, même Roga Roga, ou bien Nani Nani, ou bien Doudou Kopa, ou bien Nan Mouza, même artiste qui n'a bête, ben n'a ça même pas phase, phase, y'a pas ma yakoussala, ben qu'a incapable na kousala ya. Oh! Mais ce que Bato Badigimboka? Est-ce que ces gens-là aiment le pays? Lorsque je dis ça, vous, bon, vous allez encore dire que notre déco est sévère. Est-ce que déco, là, c'est, est-ce qu'être c'est xénophobe lorsque je parle comme ça? Lorsque, est-ce que vous pouvez, ça, c'est insalamable, les amis en RDC. Ces choses-là ne peuvent pas se produire au journal télévisé de 20h, il y a télé Zaïre. Bah, l'obana bino, tu n'as pas, l'obiba artiste, mon sou sous terre. Bah, l'obana journée internationale de la femme. Aller prendre deux artistes de la RDC au comportement trouble de la femme sur la femme, au comportement trouble sur la femme. Mais bah oui, là-bas, où zone, bah même baka, n'a pas ça, la bête, pas qu'elle représente un quiz bina, n'a pas la bête, belle qu'elle vous dit ça dans le journal télévisé. Mais bon, l'obé la vie, quand même artiste, j'espère qu'à Kinkala là-bas, on va pas faire venir des comment on appelle ça, J.P. Mpiana, ou bien Koffi Olomide quand même. Quand tu pas que c'est cérémonie, là, bon, tiens, tu n'as pas artiste, tu n'as pas Kingoli, tu n'as pas Kingoli, je sais pas comment vous appelez ça, il y en a pas. Mais c'est quoi? Nini Kaka, qu'est-ce qui vous arrive? Qu'est-ce qui vous arrive dans ce pays? Moi, je me pose toujours la question, c'est quoi le Congo Brazzaville? Est-ce que là, vous ne voyez pas que vous avez touché le fond? Vous ne pensez pas que vous avez touché le fond là? Vous ne pensez pas que ce pays-là, est-ce que c'est normal? Ce n'est pas normal. Vous nous rendrez tristes. Ce que vous faites, il y a quelqu'un de Mingi. Et on se dit, journaliste, même toi, journaliste, tu ne peux pas t'opposer à ça et tu n'es pas gêné. Et grandement, tu viens dire, gaillard de moi, il vient dire oui, la partie exclusive, et exclusive, je ne sais pas quoi, qu'est-ce qu'il a raconté là, entretien exclusif avec, je ne sais pas, oh putain de bordel. Mais est-ce que vous êtes sérieux? Est-ce que vous êtes sérieux? Donc, il y a été allé mettre un journal, mais je suis déjà remonté. Je suis déjà remonté parce que moi, je ne peux pas comprendre que non, ben, est-ce qu'il y a qui chasse ça au Congo, moi, là-bas, toi, ça. Est-ce que j'étais, ben, ça, mon lingin d'engouana. Bon, tu quand même, déjà que non, ces gens-là, est-ce que vous croyez, ah, non, mais, franchement. Bah, tu que, oh, ben, au Pesaka, au fond, là, qu'à porte, n'a pas artiste étranger. Bon, quoi, au fond, là-bas, tu que, voilà, n'a pas artiste congolais. Sauf que, ben, au sale promotion, artiste, n'a binoté. N'a n'y a pour ça, la promotion, n'a pas. Sauf que, ben, au aidé, artiste, n'a binoté. N'a n'y a pour aidé, bah. Je n'ai pas un problème avec Koffi Olomide dans ma voiture, j'écoute la chanson Koffi Olomide. Même Nandako de temps en temps, ceux qui n'ont ligné n'avant encore écouté. Il y a J.P. Mpiana, je peux écouter. Mais je vous dis tout simplement qu'aujourd'hui, est-ce que vous ne trouvez pas que non, là, ce n'est pas normal? Est-ce que là, vous trouvez que ce n'est pas normal? Moi, je ne suis pas là, bon boycott ou pas boycott. Non, je dis tout simplement, bon, je suis pas bon, mais bon, artiste, n'a biso, n'a la possède, n'a pas bon promotion. Mais c'est l'occasion. Il faut donner un coup de pouce à nos artistes. Bon, nous allons gagner. Bon, on a une fête, une bisonnion surtout. Vous êtes obligés d'aller prendre des artistes zaïrois. Voilà, si vous voulez que je vous dise. Pourquoi? Et pas la mission basalité. Bon, on a qu'à sonité.
batomoko bazanga soni. Et en plus bosali yango yalo ya quoi? Botia otia bango na télé Congo, télé Congo. Inini, kaka posa ya mbongo. Posa ya mbongo parce que là je quelqu'un qui a payé hein pour que ban balutakuna. Ba me futa mbongo ba panga munu. Je sais pas si c'est qui le producteur là, il a payé l'argent pour faire passer cette information. Est-ce que c'est normal dans un pays normal, il y a prosoina et que quelqu'un pense que non, il faut faire passer ça au journal télévisé. Journal télévisé. Assommé même pas du parti magazine, il y a télé Congo, non, mais c'est au journal télévisé. Et là, tout à l'heure, journal télévisé, aller faire la promotion des artistes étrangers. Bah oui, là, entre temps, nous avons des artistes chez nous. Wapi joue, les gars, quand tu vois les tirs, artistes congolais, il y a un diable, mais ça, la promotion, il faut se mettre dans la salaire. Pourquoi vous faites ça? C'est pas bien ce que vous faites. C'est pas bon. Faut mettre des abacaya. Nous allons continuer avec ces gens-là, Bapanga Mono, Beto Kwenda toujours dans la régie, Beto Kwenda là. Nous allons faire avancer Beto Kwenda là maintenant, Bantuya Ifoso et Bake Salaka. Nous allons appeler maintenant le Bantuya Sina Inba Salaka, la régie que tout la Beto imagine. Bon, voilà. Nous... Le collectif des sénateurs de Brazzaville, conduit par son président, Pierre Ngolo, était lui face aux conseillers départementaux et municipaux de Brazzaville. Sur la table des discussions, la restitution des travaux des dernières sessions du Sénat et la délinquance juvénile. On en parle avec Florent Angolé. Rendre compte à ce mandant, tel a toujours été l'un des engagements du collectif des sénateurs de Brazzaville. Ce collectif, avec à sa tête le sénateur Pierre Ngolo, a échangé ce jeudi avec les conseillers départementaux et municipaux de Brazzaville. Outre la restitution des affaires traitées lors de la dernière session budgétaire et des activités menées au Sénat, plusieurs questions ont été soulevées par ces élus locaux, parmi lesquelles le banditisme urbain ou phénomène dit bébé noir, l'effectivité de la décentralisation, les coupures intempestives de l'électricité, le statut de l'élu local. Comme dans son habitude, Pierre Ngolo, avec les mots qu'il faut, a tenté d'éclairer la lanterne de ce dernier. Si nous devons construire le Congo, si nous devons aspirer au développement, il faut d'abord que la paix soit assurée. C'est pour cela que de tout temps, on a cessé de rendre hommage au président de la République, chef de l'État, pour l'investissement personnel qu'il a consenti pour que la paix soit restaurée au Congo. Je pense que, ici à Brazzaville, voilà l'organe dirigeant, le conseil départemental et municipal. Essayez aussi de réfléchir au regard du constat qui est le vôtre. C'est un grand danger pour le pays. De par cette occasion, nous pouvons rassurer nos populations. Session du Sénat, suivez. Conduite est posée sur la table du Sénat. Le budget de l'État exercice... Arrêté au niveau national dans le cadre de la municipalisation additionnelle de Pointe-Noire. Et le président de la République est venu en visite de travail pour lancer ces travaux additionnels qui ont été retenus. Nous avons prévu au niveau du Sénat un huis clos au cours duquel nous irons au fond des choses dans le cadre de la décentralisation. Après quoi, les sénateurs ont remercié les distingués conseillers de Pointe-Noire pour les avoir portés à la chambre haute de cette quatrième législature. La fièvre monte, mesdames et messieurs, du côté de Kinkala. Nous sommes... Bon, Baninga, sénateur, moi, je suis très surpris quand même lorsqu'on voit quand même, ils sont conscients quand même, hein. Parce que nous avons beaucoup d'éléments à passer dans le journal télévisé à Benalla. Ils sont quand même conscients. Hein. Ils sont conscients quand même de la situation avec les Congolais et même Pierre Ngolo qui parle de la sécurité, il parle de problèmes de courant. Mais mon cher, c'est vous qui êtes au pouvoir, c'est vous qui êtes aux commandes. Vous avez tous les leviers. Ni bino moto bozana bokozi, bino moto boko jere kemboka la biso depuis toujours. Bino moto, makambo yaba kouro ezali bino. Vous êtes pas là, vous venez pas d'arriver. Ce n'est pas l'Issouba qui vient d'arriver au pouvoir et que ce pouvoir-là a été aussi, comment on appelle ça, secoué par, vous avez vu vous-même le témoignage de Vermoani, Yohana Lubaki, ils avaient décidé, bah, boycotter pouvoir Wana, bah, créer insécurité, bah, créer un mot pour que makambo est amolaté. Mais vous êtes là depuis longtemps, papa Ngolo. Makamba courant lorsque tu le dis, mais après, qu'est-ce que tu apportes comme réponse dans Mambouina? Qu'est-ce que tu apportes comme réponse dans Mambouina?
Vous avez le Sénat, vous avez l'Assemblée nationale. Aucun jour, on a vu que vous avez posé même une motion de censure pour censurer ce gouvernement-là qui est incompétent, n'a qu'à venir à couper la couper sa satisfaction de la population. Mais ça ne sert pas de venir faire des discours. Dans ma discours, on a vu là, les angata tina, toi, on a reposé. Donc, le boukaka bateau, ils vont passer à l'acte. Donc, nous, tout ce qui est verbiage là, on n'en veut plus. On veut maintenant les actes. Bantou Kouen d'abord poser ma acte, là. Si on voit là, à l'Assemblée. Parce que vous avez, entre vous, tous les leviers. Bon, moi-même, le ministre de l'Intérieur a parlé de chef de quartier. Chef de quartier. Chef de quartier. N'a pas dit que notre chef de quartier, Azali, n'a pas de système sécuritaire et le Congo, n'a pas ni Bango, n'a pas de système. Donc, vous nous avez rappelé. Donc, vous voyez bien que même les chefs de rue, pourquoi pas aussi les chefs de rue, chef de rue, Peka Boutoua PCT, chef de quartier, Boutoua PCT, Bangonyo Sotouana, vous avez tous les leviers. Ben, pas Nyo Sotou, ben, institution Nyo Sotou, il y a Congo et il y a la Bino Parti Congolais du Travail. Alors, vous savez, Nangoni, Nata, et non, comment côté. Le Parti Congolais du Travail, c'est pas un parti. Vous savez, ben, descendre parlementaire pour faire quoi? Vous parlez pour votre argent, pour votre ventre. Alors, les amis, nous allons maintenant évoquer, comme tout à l'heure, ce matin, lorsque nous avons commencé, c'était très drôle, on a demandé à tout le monde de dire quand même, bonne fête à sa femme. Namoni, Natangipe, Namoni, Peba, Nusuba, Lobite. Vous étiez incapable d'écrire les noms, là. Bon, mettez quoi, la journée internationale des droits de la femme, Kegluta, Bukina Luta, Bobiaï, Nakote, Yakinkala, sous la direction de la ministre de la promotion de la femme, Bakabokilaka, Madame Inès Ingani, Yanina, ça, la déclaration au gouvernement. Nous allons écouter quand même ses propos parce que y a quel message, Samna Ben Bakinto, journée à Ben Bobiaï. Moi, je ne serai pas désagréable avec les femmes aujourd'hui parce que c'est votre journée. Mambo Nyosu Bakinto, demandez mon Bobiaï, mon Kepes. Dans celle qui a la chance de m'avoir au téléphone ou bien de me voir à Yann demander à Nyon Sinanzola, m'occuper sa monde parce que Boubia, il y a que journée internationale de la femme, la régie, s'il vous plaît. Là, dans le département du Poul, qui abritera ce 8 mars, donc demain, les festivités de la journée internationale des droits des femmes autour du thème, il faut le préciser, intensifier l'autonomisation des femmes congolaises pour parvenir à l'égalité des sexes, eh bien, Mais avant la grande parade, la ministre de la promotion de la femme a rendu publique une déclaration appelant ainsi les femmes à une prise de conscience collective. Décryptage avec Sarah Mbenzamokia. Célébrer le 8 mars de chaque année, la journée internationale des droits de la femme, est une occasion de revendiquer plus d'actions en faveur de l'égalité, mais aussi de rappeler à la communauté internationale la nécessité d'intensifier la lutte pour la promotion des droits de la femme. En cette année 2024, la ministre de la Promotion de la Femme, de l'Intégration de la Femme au Développement et de l'Économie Informelle, Inès Nefer Bertille Ingani Vumboyalo, a énoncé les avancées réalisées en République du Congo en vue de l'autonomisation de la femme grâce aux efforts consentis par le chef de l'État, Denis Sassou Nguesso. Le thème international de cette année est « Investir en faveur des femmes, accélérer le rythme ». Ce thème vient à point nommé car l'investissement en faveur des femmes est un impératif pour les droits humains et la clé de voûte d'un développement durable et inclusif. Au plan national, la commémoration de la présente journée a pour thème « Intensifier l'autonomisation des femmes congolaises » pour parvenir à l'égalité des sexes. En effet, sur le chemin de l'affranchissement de la femme congolaise, de nombreux efforts ont été accomplis, conformément aux objectifs de développement durable qui visent à atteindre l'égalité des sexes ainsi que l'autonomisation de toutes les femmes et filles à travers le monde. En ce jour commémoratif dédié aux droits des femmes, permettez-moi de lancer un vibrant appel à toutes les forces vives de la nation, d'intensifier les actions en faveur de la prise de conscience des femmes et leur rôle en vue de garantir leurs droits. C'est depuis 1977 que l'Assemblée générale des Nations unies a reconnu la Journée internationale des droits de la femme. Au Congo, elle est commémorée depuis 1965. Et la ville de Kinkala épouse déjà les couleurs de l'événement. La journée du 5 mars dernier a été consacrée aux activités sportives, notamment la course pédestre. Alors les amis, comme je vous ai dit aujourd'hui, Boubiaï, Betrevan Kakana, ma parole sucrée envers les femmes.
Donc aujourd'hui, ils sont du côté de Kinkala. Aujourd'hui, bah, la ministre vient de s'exprimer. Nous allons encore repartir du côté de la région à pointer à l'activité qu'ils ont réalisée là-bas, pour, surtout dans ce département, le département du Poule. Elle en a besoin parce que ce département a perdu espoir. Il y a où vivre. Et heureusement, dans ce département, il y a encore, on retrouve 400 coopératives tenues par des femmes, les femmes congolaises. Donc, c'est des choses à féliciter. Et voilà que moi, bah, festivité, il y a 8 mars, ça a mis quand même, comment on appelle ça, moi, bah, lampadaire dans le département, il y a Poule. Vous savez tout ce que ce département a subi aussi. Donc, c'est tout à fait normal que ça, moi, l'activité à Fosuna, ça donne un peu de la chaleur. Bombe, la banque qui vend dans le département, dans la régie. Ben Koutala, Ben Mosséan, tout le bête, il y a où. Ben Tala, l'activité qui est na côté, il y a le Poule pour cérémonie. Et le tournoi inter-district de Nzango, sous la houlette du préfet du département du Poule, comme nous l'explique dans ce reportage Estelle Bikoumou. Lumo Malembe. Le district de Lumo est sacré champion de la course pédestre interdistrict organisée dans le cadre des festivités du 8 mars dans le département du Poule. Oui, nous avons suivi une très belle course d'interdistrict. Nous avons eu les districts du Poule qui ont fait une compétition et la première, c'est Lumo, secondée de Kinkala. Et troisièmement, c'était Lwingi. D'où la satisfaction de la championne qui a franchi la ligne d'arrivée au bout de 12 minutes 15 secondes de course. Aujourd'hui, je suis sortie première parce que j'avais fait des efforts. Merci pour l'organisation pour la course. La course était belle. Merci, maman Inès. Juste après, a eu lieu la finale du Nzango qui a opposé Kinkala commune à Kinkala district. Au final, Kinkala district a courbé les chines face à Kinkala commune qui a remporté cette coupe. Je suis très contente pour le jour là puisque on a joué, on a gagné. Donc c'est tout, je suis contente. Je remercie aussi madame la ministre d'avoir organisé cette championnat. À vos marques, prêts, partez. C'est la course féminine des pirogues interdistrict organisée ce mercredi 6 mars à Ngabé qui a clôturé les activités sportives marquant la commémoration de la 114e journée internationale de la femme dans le Poule. Cette course a été remportée par le district de Mindouli, secondé par celui de Mbanzandunga avec Kinkala commune en troisième position. Parlons maintenant de la coopération internationale. Alors, papa, il y a qu'un ça. Et en mettant un peu de lumière dans ça, je peux vous dire, ça fait quand même du bien à ce département et les habitants de ce département. Qu'est-ce que vous avez vu? Moi, j'ai trouvé des belles choses dans Katsukuna. Les belles choses, c'était quoi? Ouais, comment on a grandi, nous, c'est ça. Ça dit le vivre ensemble, Inuab Katula na Betouina. Il faut réorganiser un peu ce vivre ensemble dans nos quartiers, dans nos villes, et puis dans nos villages. Voilà, et qu'est-ce qui faisait ça? C'était les jeux de l'ONSU, une bête van salak. Je ne sais pas celui qui avait eu cette ingénieuse idée pour suspendre les jeux de l'ONSU, une bête van yao. Vous avez vu les jeux de Nzango, ça ne s'arrêtait pas là. Il y avait jeu à foot, match à foot, bête van jeu à hand, nani, mambou bête van salak, course, bête van salak. Il y a qui mambou, maman, c'est bien. Jeu à l'ONSU, il ne faut pas vous tout dire. C'est le vivre ensemble avec ce pays qui est déchiré aujourd'hui. Alors, les gens qui avaient perdu le sourire, pour une journée, qu'ils ont quand même le sourire, c'est pas mal, c'est bien. Il n'y a pas que les gens qui sont dans le département du Poule qui ont perdu le sourire, c'est tous les Congolais qui ont perdu le sourire. Ils ont perdu le sourire parce qu'ils sont en face d'eux, des gens sans cœur. Est-ce qu'aujourd'hui, ces gens-là, je me pose la question, ils réalisent quand même le mal, la souffrance, ils m'ont mis ça dans la peuple congolais? Je ne pense pas. Ils ne réalisent pas ça. Et nous sommes en face de nous un gouvernement des menteurs. Le gouvernement de la République, c'est un gouvernement des menteurs parce que ce gouvernement ne tient pas parole. Ce gouvernement-là, ça dit que Bakay Zabavé, ils passent à la télé, ils font des annonces, et là, Bakay Mansoussa, là, annoncé, là, Bakay Zabavé, Djarvé, Wap Mamba Zonzak. Moi, je me pose toujours la question de savoir est-ce que ces gens-là sont conscients que là, Bakay Kouza, la télé, Bantri Talabao. Mouzavé, c'est Bakay Zabavé, Bantri Talabao ou Bantri Kouwak. Est-ce qu'ils pensent qu'ils ont affaire à leurs enfants? Ça dit que le gouvernement d'Anatole Konema Kossa a l'impression qu'il a affaire à ses enfants de la maison. Banayan ya inzo, ou bien babou ya yan, il n'y a que fissak, ben quoi ça qui salue ya yi, ben moumou na pensé ni fin bagabit. Parce qu'ils ne nous prennent pas au sérieux ces gens-là.
lorsqu'ils viennent, ils font des déclarations tapageuses derrière et arrière. Baninga, pourquoi je vous le dis? Si je vous le dis aujourd'hui, Baninga, bota la kaka sen oiba bimisaka biso la kamu. La couverture universelle maladie. C'est ça, non? Camus, non. Couverture assurance maladie universelle. Bon, je sais pas comment ils appellent ça, mais Camus. Vous avez vu, au moment où nous avons mis ça sur la table, ici dans la matinale, dans le 17h dimanche, où nous avons eu un brillant garçon, Maître Pierre Chevert Lufulu, qui a démontré, vous avez vu ce gouvernement de la République faire les conseils des ministres. Et au conseil des ministres, c'est là-bas, ils ont même décidé de mettre en place un mécanisme pour que la commune vende. Il est où, mes amis? La Patrick Guélor, il est où? Il est où, Patrick Guélor? Il est où Karl Assoua qui nous disait que oui, ça va se faire? Ou à plus côté de Tekele. Et c'est bon que Yoga les sous Motazo, le Bakali Kamwa Kamiwana. Et Sili Nango attend même et l'autre mort. Le Balabiso va travailler au Salanin. Ni le Bazo Salapouke Kamiwana et Zala Efeti. Le Bakalabiso dans quelques mois, sinon quelques semaines. C'est ce qu'il nous avait dit. Où en sommes-nous aujourd'hui? Qu'est-ce que ça veut dire? Quelques semaines chez Anatole Koliné Makoso ou chez Thierry Mungala, qu'est-ce que ça veut dire quelques semaines? Qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui au Congo Brazzaville? N'est pas que Zozaka, la commune est maintenant un deal. Mais Ali Wap, est-ce qu'ils ont mis ça en place? Puis ça va promettre bête que Zola tout liao en place. Wap yao. Wap yao, ti boubla bête na vingilaka. Il est levé. À côté de la commune, l'année de la jeunesse. Et comme l'année de la jeunesse, c'est possible encore diarrhée verbale, le bien va recréer 100 000 emplois. Non, moi je vous rappelle tout simplement leur dire. Par contre, Bimissa, 100 000 emplois. Et les 100 000 emplois, nous sommes déjà au mois de mars. Bientôt, ça sera la fin du mois de mars. Maintenant, tu as l'attaque qui me vient. Hier, je vous annonçais ici que la matinale, mais ça, il y a proposition d'emploi. Nous sommes peut-être à deux. Parce que Patrick Guélor, mais manifeste-toi, Patrick Guélor, tu nous as fait une proposition. Il y a qui ça, nous avons fait ça. Il faut mettre annoncé à deux pour la matinale, zéro pour Koliné Makoso et Thierry Mungala. Parce que, bah, sur les 100 000 emplois, zéro a été encore créé. Zéro. Mais nous, nous sommes déjà à deux propositions. Donc, on peut déjà créer deux emplois où le gouvernement de la République, celui-là qui a beaucoup de moyens, attaque Imana Boussalaka, Ikelevé. Donc, je tiens quand même à signaler cela pour que ma Congolais, ma Zaba, ma Mossi, et si nous sommes dans un gouvernement, ça dit que c'est de la parlotte, que la bouche, que la mamba que ça dit ça qu'on a. Mais au fond, rien ne se suit. Pourquoi je le dis aujourd'hui, et les amis, qu'est-ce qu'il nous avait dit? Anatole Koliné Makoso est en train de maîtriser même tous les partenaires sociaux. Anatole Koliné Makoso est arrivé au pouvoir, il a mis tout le monde d'accord, ben oui, parce qu'il avait un état de grâce, va Pesayan. Période de grâce, va Pesakayandi. Et c'était pas, ça voulait pas dire que non, il travaillait bien. C'est pour ça qu'on dit toujours que non, le temps est le meilleur juge. Le gouvernement d'Anatole Koliné Makoso aujourd'hui a plus de 7 séminaires. Moi, je me souviens d'un séminaire, va Salaka. Babanda kana soukati 17h. Et à la fin, Zonzakabake évalue ma ministre. On attend toujours l'évaluation des ministres. Maintenant, Vinglak, toi tu as fait quoi? Toi tu as fait. Oh, il avait donné la feuille de route. Mais ils sont où, la feuille de route? Ouais, ils ont embauché le blond. Voilà. Ils ont embauché un criminel. C'est vrai. Ça, c'est sûr. Ils ont embauché. Ils n'y embauchent pas mes salles. Alors, c'est vrai. Ouapiya, maintenant, Vinglak, rien. Kaka ma parole sur les paroles. Nous allons revenir maintenant à Passia peu. En attendant de passer à la télé. Et il avait pensé que non, il fallait augmenter le prix et à carburant. Au départ, il nous dit ceci, que non, je vais augmenter du prix du carburant parce que peut-être que ça là, va subvention dans la société pétrolière. Ma subvention, il n'a mouké la Zola Diak avait. Écoutez ce que Anatole Koliné Makoso avait dit. Écoutez seulement. Moi, je vais vous dire ça, nous étions au mois de février. Anatole Koliné Makoso passe à la télévision, il nous dit ça. Je vais augmenter le prix du carburant. Le prix du carburant que je vais augmenter parce que moi, j'en ai marre. L'argent que j'ai, au lieu de faire face à des voiries urbaines, il y a dit la bête, il y a le Congo. Mouna Zola Diak V, Mouzol Mbongo Yina, une que Pesaka la société pétrolière.
na ke noko pesa bango lususu mbongo wana te ngali na lobi na bino bino bo futa courant na bi e bo futa essence na bino na prime ya makasio bango ba demander biso wana bo futa kaka likamote menga en contrepartie mbongo ngana ba ko verser ba compagnie pétrolière mbongo wana ngana lingina bongisa mito ba voirie urbaine. Ba voirie urbaine ça veut dire banzela. Là on était au mois de février 2023. Ba misusu ba boudé ba misusu ba lobo biso to osala ndenge nini ba transporteur ba lobi na ba non ba futa susu ba taxe de roulage té Thierry Mungala yawa ali a sali discours à lobi bon voilà taxe de roulage sili biloko yo boy voilà et ba ba mbété susu binoté donc biso to osala ndenge wana donc ba sali pena ba faveur place à ma chauffeur mais ngana yeba ki déjà que non chez les conducteurs ngana yeba ki tino gouverneur na le gouvernement ka lokuta moi dès le départ je savais que ce gouvernement c'est un gouvernement de menteurs. Oh bon, le plan de résilience, ça, le résultat, vous connaissez vous-même. Après quelques mois, na moi, je joue encore. Il y en a augmenté déjà quand Nania y passe, il y a Nania, comment on appelle ça, est pris à carburant. Oh, mais il dit quoi? Il dit, oh non, mais quand on a pris un objectif, il y a un objectif, parce que je suis bon, il y a un objectif, il y a un voir. Bon, voir, toi, na moi, acceptons. Tu vois, bon, ça va être tout à l'heure. Non, donc, quand on va être là, Mikolo, nous, on ne peut qu'arranger lorsque ça sera la saison sèche. Ah, bon, ben, tu vingues là. Mais vingui là moi maintenant il y a juin me coume à juillet août septembre la saison sèche au Congo bon ça biso banzela basan babambisa les papa attend zelamo ko basalité mon kolale le nous sommes toujours en difficulté on a même attendu au mois d'octobre les bamessa là le sommet des trois bêtises on a donné l'argent à monsieur Imbake Botra Kabantimba botala babambisa les papa va pesa pesa ba mbongo imba pesa yan les 12 milliards ou les 8 milliards va pesa qu'est-ce que 12 milliards qu'est-ce qu'il en a fait ya mikwele kaka Ben Metal. Et là, tu zongeli li sous ka ba problème na biso, et c'est là où le président de la République est parti là-bas à Pointe-Noire, na kuzo zobaka yidik ya ba voirie urbaine. Mais ce que vous avez dit, bolongo la ki ba mbongo wana, il fallait que nombo bon sa voirie urbaine. Ou wa ki ba voirie urbaine awo ikele. Donc comme il y a moi ya novembre décembre, le comte de Courbevoie monte au créneau pour parler de l'escroquerie. Et beaucoup d'émissions étaient organisées sur Ziana TV, sur la Camus. Babimi, sur ce discours, non, bon, à carburant, automatisé, en gros, pour que tu financer Camus. Ben, nous, ouak, hein. Ben, nous, ouak. Là, bah, Matisse, qui est sous carburant, dans moi, il y a octobre, hein. Ben, nous, ouak, à mon, nous vient. Ah, il y a vendu 24 milliards, ben, nous, d'accord, ok. Donc, ben, nous, ouak, à mon, très bien. Na octobre, non, biso, courant, gaz et pétrole, et chance automatique, parce que tu commences à un bon wana pour que tu finances maintenant Camille. Babosani, ils ont même oublié que non, il avait dit que c'était pour les voiries urbaines. Les voiries urbaines, n'a pas même les maniaux. Parce que tu commences à octobre, ils sont sèches et silly. Bah, les miens, bah, comment on s'habille, tu non, tu commences à un bon wana pour te financer Camille. Camille, en gros, tu commences le nom à moi en mars. Six mois après. Attaque Kimo CV. Quel est ce congolais? Le premier ministre lui-même, il est parti s'enrôler. Alors, il y a quelqu'un qui a dit, oh, bah, toi, bon, mettons maintenant, vous vingui là, qu'à ben, tu bas congolais, ben, peut-être, tu fais vert. Ou à côté, tu as ça, bah, enregistrons la vision de ma caméra Camus pour que tu bénéficies de la caméra, puisque vous retirez que Mbongo, n'a budget à l'État, l'île et Zalouana. Bonsoir, Mbongo, on a un salaire, il y a un fonctionnaire. Banque, une caisse salaka. Tous les travailleurs, bah, foutent à mort. Mbongo, une caisse qu'une awa. Bon, mon nom, Congo, Dengueza. Mais ils seront surpris que aujourd'hui les banques posées que ma acte ma mabrina futuki la barre. Aujourd'hui nous avons une grève qui a été déclenchée, pas que déclenchée au lundi à la transporteur. Donc en attendant, je pourrais pas vous afficher ça ici parce que je n'ai pas préparé. Mais grève que ma que ça la grève va prendre un bel coup ou un monu les ma transporteur mes os abus sur photo qui est la grève. C'en est trop. Ma maison ça va être que quoi est la grève parce que l'État congolais qui n'a pas sacana qui n'a pas tout trop bel coup ou un monu. Ya imoke bagira intersyndical des transporteurs en commun du Congo. Grève des transporteurs du lundi 11 au mercredi 13 mars 2024 sur l'ensemble du territoire national. Benkuwa bofongo la mato inabino. Suite à la reprise du paiement de certaines taxes suspendues lors des négociations relatives à l'augmentation du carburant, le gouvernement a augmenté et créé d'autres taxes fantaisistes inscrite dans la loi de finances exercice 2024, à savoir l'augmentation de la carte grise, l'augmentation du billet de l'Interland, création de la troisième plaque d'immatriculation. Les transporteurs en commun disent non, non et non.
non au renouvellement du permis de conduire à 56 000 francs, non à la durée 10 ans du permis de conduire, non à l'augmentation de frais de l'établissement de la carte grise, non au prélèvement de 500 francs sur chaque passager de l'Interland. L'établissement des permis de conduire des usagers bloqués à la établissement des permis de conduire des usagers bloqués à la DGTT Kodami. Donc la grève est prévue le lundi 11 mars 2024 à partir de 5h00. Fédération syndicale de professionnels de transport du Congo, syndicat des conducteurs de taxi, bus routiers et pousse-pousse. Alors Bame Sinyawa, bienvenue Mabiala, Didier Ngatsebe et puis Patrick Milandou Baounyo Soyaï, Bame Sinye Mambouya Benakouwa. Bame Zonza, Bake Kotaba on a grève. Parce que Bame Manga, l'État congolais qui n'a pas sakana naba. Bame Mani Sukunouvi. Au lieu de Nagusaka Pilina, ils ont pris le soin d'écrire à ce premier ministre Anatole Coligny Makoso pour lui rappeler à son excellence, monsieur le premier ministre. Bame Zavis, c'est contre la grève parce que vous n'êtes pas sérieux. Brazzaville, le 4 mars 2024. Avis de grève. Excellence, monsieur le premier ministre, chef du gouvernement. Suite à notre préavis de grève du 27 février 2024, sans suite, nous venons très respectueusement auprès de votre haute bienveillance déposer un avis de grève des transporteurs qui sera observé sur l'ensemble du territoire national relative à l'augmentation des taxes existantes, la création d'autres taxes et redevances fantaisistes inscrites dans la loi de finances 2024, aussi des mesures d'accompagnement déjà acquises en négociation suite à l'augmentation du carburant. Sont reprises dans la dite loi et sont actuellement applicables dans certaines administrations par note numéro 24/113/MTACM/DGTT/DAF du 23 février 2024. Au regard de ce qui précède, une grève de 3 jours sera observée sur l'ensemble du territoire national du lundi 11 au mercredi 13 mars 2024. Par ailleurs, tenant compte de l'augmentation du prix de transport interurbain par l'État. En conséquence, les prix de transport urbain passeront pour le taxi de 1 000 à 1 500 francs, le bus de 150 francs à 250 francs. Nous vous prions de croire, Excellence, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, en l'expression de notre franche collaboration. Yaïbant va me signer, va me féliciter auprès du Premier ministre Anatole Coligny Makoso. Bon, Baninga, les gens qui ont été en train de se faire, ils ont été en train de se faire. Ils ont été en train de se faire. Cela veut dire, les amis, à partir de demain, à partir de la semaine prochaine, le prix à taxi va arriver à 1 000, 1500. Le prix à bus va dire que 150 est commis 250. Non, ils ne sont pas gourmands. Ils ne sont pas gourmands. Ils sont même en deçà de ce qu'ils devaient demander. Il ne faut pas oublier que le salaire des Congolais, c'est 15 millions. Les gens gagnent 15 millions. Les gens gagnent 12 millions. Et ils ne font que suivre. C'est tout à fait normal. Bantu à taxi, ben monte ses salaires, pas pris à taxi. On met à même 2 500 que Fioti. Ben tout y a même 3 000. Parce que les gens gagnent 15 millions par mois. Les gens gagnent 12 millions par mois. Les gens, les députés sont à 7 ou 8 millions par mois. C'est normal. Ça, c'est insignifiant. Toi, tu parles parce que tu dis qu'ils sont gourmands, parce que toi, tu as 50 000 par mois, et là où tu te rends compte que non, 50 000, tu ne peux pas. Mais normalement, tu ne devais pas avoir ce salaire de 50 000. Et lorsque j'écris ici en vous disant que non, le SMIC devait être à 500 000, les chauffeurs, les taxis, les conducteurs, les tout va monter. Sauf que même si tu as 5 000, tu as 5 000. Je vous encourage. L'État, voilà l'État. Et en Zonzaka, le Coligny Makoso a fait l'interview, appelé les journalistes. Regardez ailleurs, partout. Ils ont augmenté le carburant partout. Nous, nous sommes encore à la marge. J'ai pris seulement à 5%. Sauf que, au fur et à mesure, il a augmenté. À la fin, il est arrivé au même à 100%, plus de 100% d'augmentation à carburant. Anatole Coligny Makoso a fait. Il a utilisé une astuce. Je crois qu'il était entouré des vrais statisticiens, des bons mathématiciens. Parce que ça l'a calculé, de telle sorte que, vous, nous, Congolais, les Congolais pensaient qu'à
5%, 15%, alors que c'était sur le montant. Lorsqu'on augmente 5%, on a monté à 5%, même augmenté encore 15%, on a monté à 15%, même qu'on a augmenté à 20%. Mais les gens étaient perdus, ils n'ont pas compris. Mais vous avez oublié aussi qu'il y a des matheux devant vous qui ont compris l'astuce de Ben Salaka. Même augmenté au même montant que Bao. Ils ont dû regarder ailleurs. Moi, je n'ai pas augmenté beaucoup, un tout petit peu. Même vous ne pas Congolais. Et les Congolais se sont fait avoir. Et il a oublié, lorsqu'il parle ailleurs, en Angola, là-bas, ils ont augmenté quoi, bah, carburant. Mais pourquoi, Anato Konemakoso, tu ne donnes pas les salaires des Angolais? Pourquoi tu ne dis pas chez toi le SMIC à 50 400 francs? Et qu'à l'hôpital, les stagiaires qui sont assistés là-bas gagnent 50 000 francs? Pourquoi tu ne dis pas que les vacataires, là où tu es, tu n'as pas donné la solution à tes finalistes là? Les finalistes, lorsque tu étais ministre de l'Éducation nationale, tu n'as pas apporté une petite solution à tous ces finalistes-là, qui sont payés à 50 000 à l'école primaire, collège 65 000 et les lycées 75 000. Zabismou. Il y a quoi la différence entre un finaliste, Namoutke Sala, qui sale que qui sale, celui qui fait 2 heures de travail, ici le taux horaire, il y a qui a banque, nous aussi c'est 15 euros l'heure, c'est 15 euros l'heure, papa. Il y a qui fait parce que monter en cuisine, il y a pas toujours parce que il y en a qui est finaliste, à bon moment embauché, il y en a qui fait ça. Oh, bah, enseignant, bah, ben, donc, en salaire, il y a qui fait faussine, bah, que j'irai que voilà. Zabis moun boubiaï. Explique-moi. Moi, du coup, je veux savoir. Moi, je veux comprendre. Pourquoi est-ce que lorsque tu parles, mais tu oublies de dire le train de vie, bah, pas gangé, ou à faussine, il y a les couna. Tu oublies de dire que non, la population là-bas, bah, salaire moyen, bah, il y a qui est combien? Sauf que, na béto, ah, salaire moyen, tu ne parles pas. Les gens gagnent 50 000 par mois. 75 euros. Il y a quelqu'un qui a des 75 euros. Ou un salaire. Moi, je suis à 12 ans, je suis à même ma fonctionnaire tous les mois. Tous les mois, je suis à même. Il y a ça à la caté. Moi, je suis à 12 ans. Moi, je suis à un fonctionnaire au Congo tous les mois. Il y a que ma boissonne. Il y a que ma boissonne. Argent de poche, il y a des nafouta et ma fonctionnaire au Congo. C'est pas possible. Est-ce que vous trouvez cela normal? Et vous savez, nous venons d'engouer un bilan pour le langage. Oh non, c'est normal. Ou des trucs comme ça. Mais non, la République ne peut pas fonctionner ainsi. Soit nous venons d'engouer, ça va salaire. Il y a bien beaucoup qui savent qui c'était. Lorsqu'il s'agit, oh, il faut faire ceci. Oh, les recommandations du FMI. Quel FMI? Mais qu'est-ce qu'on en a à foutre de ton FMI? Les Congolais n'ont rien à foutre de ton FMI. Depuis que ma vendant la FMI, n'a boit la bête. Ou puis ma bambo, tu vas me dire qu'il n'a boit la bête. Quand elle commence. Et là, qu'est-ce que tu vas dire? Tu vas dire que les conducteurs là sont méchants. Oh non, il faut pas qu'on ait la grève. Il faut pas augmenter. Il faut. T'as là. Vous êtes gentil. Il faut aller botia même 4 000 et taxis. Botia 4 000. Botia 4 000 taxis. Il y a que comme ça qu'on peut réussir dans ce pays. Mettez 4 000. Le bus à 1 000 francs. Voilà. Bus 1 000 francs. Ici là, le bus coûte plus de 1 000 francs. Baninga. Ah ouais, le bus c'est 2 euros. Hein. C'est ça, hein? Je sais pas. Bon, bref, Nakanisi, c'est 2 euros. Je crois que moi, j'ai déjà payé 2 euros dans le côté bus. 2 euros. 2 euros, c'est plus de 1 000 francs. 1 200, je sais pas combien là. 1 200. Ou bien 1 300. Bon, ok. Ah, ouais, bus. Et taxi, ça coûte cher. Voilà. Donc, il y a une bonne salle à Benoît. Puis, on a copié comme un Kamoutou n'a pas toi. Bon, copier quand même. Le bus, 1 000 francs. Taxi, 5 000. Bon, total là. Ce qui est bien, comme un Kamoutou. Il faut les mettre à l'épreuve. On peut faire ce jeu-là. On peut faire ce jeu. Pourtant, la caca. Mais c'est sur tous les plans, partout. Pour qu'elle est maille chère. Courant pas si. Parce qu'à pas topé, courant est. Pourtant, la patoie fouta. Et à pointe, on impose aux gens à pointe noire. Bah, tout. Maintenant, ma compteur. Bah, que tout ma compteur. Yin va m'essayer na Brazzaville. Y'a mes si me veut. Les Brazzavillois n'en voulaient pas. Bah, mais Katouli a coulé. Bah, maintenant, t'es à pointe noire. L'homme a monné que non. La vache à l'équipe qu'on a pointe noire. Ils vont imposer ça là-bas. Est-ce que ces gens-là sont sérieux? Ah, on me dit que c'est même 2 euros. Je suis désolé, bon. Comprenez-moi aussi. Hein. Bon, voilà. C'est 2,50 euros le bus ici, là. Mais les gens payent. Et nous avons aussi les salaires qui répondent avec ça. Ben, les montse, bah, n'inga, bon, matissa, boko, kwe, yate, taxi, nabino, soke, tambolite, eko, be, banangote, l'État congolais sera obligé. Non, là, yem, sabino, je vous donne toujours des pistes. Les taximans, là, les syndiqués, y'a, m'en ben, m'en, ça, va bien. Y'a même la zoza, quoi, les calamis, 500, c'est pas ça qu'il fallait faire. Il fallait mettre le taxi minimum 3 000. Bon, tiens, on a 3 000 francs. Mettez ça à 3 000. Le bus doit monter à 500 francs, le bus. Le bus monte à 500. Ou à l'imna, peut s'avérer de ma piste. Bon, ça, la réunion, on a bidou, bon, yokana. Ou à l'ambon, on était avant d'aller dans d'accord. Bisso, toi, n'ambon. Nous, on gagne 15 millions, 12 millions, t'en fous dans la bisou. Voilà. Bon, bah, n'ambon, on était avant d'aller dans la bisou. Voilà. Et ce que je vous dis tout simplement,
Ce que je vous dis tout simplement que non, bon, Montisseb a pris le bus, il coûte 500 francs et le taxi 3000. Donc, tu as la soeur qui gouverne, non, bah, qu'on vend du sabatoté, bah, le banabango, bon, ouah, il faut te mettre ça va saler. Parce qu'ils gagnent beaucoup d'argent. Ils gagnent beaucoup d'argent. C'est ça. Eux, ils gagnent beaucoup d'argent. Et ils font semblant de nous dire que nous, ils gagnent pas beaucoup d'argent. Alors, bah, pangamono, ah, les amis, les gars, là, yé, bisarabino, non, mamouke ming, ya, kouzoz, na bois, la yaye. Et ils sont très embêtés. Ces atalakoula qui sont là, qui gravitent autour du premier ministre, ou qui gravitent autour du pouvoir, dès qu'on sait le mettre à nu, bah, mamba, ou même comme, oh non, oh, dépêche-toi, oh, ceci, cela, oh, fais ceci. Alors, ça, ce sont des vraies questions. Il y a qui passe, il y a peuple, il y a peuple. C'est là où il y a trop de taxes. Les gens sont asphyxiés. Et papa, que la banane. C'est pour cela que vous allez avoir maintenant, bah, tu, bah, il devait au moins, quelque chose, vous ont ça. C'est normal, ils vont continuer à parler. Hein? Non, ce n'est pas un problème des enfants, les amis. C'est ça, vous tirez toujours les choses du mauvais côté. Dans l'électricité, on a dit ça, l'électricité, il y a une solution. Si vous ne payez pas l'électricité, ils sont payés avec l'argent que vous payez les factures d'électricité. Ce qui me fout, mais c'est pas possible. Comment dans vos têtes, là, vous n'arrivez pas à réfléchir? Faites un effort. Prenez 2 minutes, je vais réfléchir. Prenez un effort. Je vais réfléchir. Lorsque je vous dis l'électricité, ne payez pas l'électricité. Vous pensez à votre confort. Vous pensez à votre confort. Vous ne pensez pas que non, vous pouvez rendre la vie facile à tout le monde. Ce qui vous bouille, qu'on fout à l'électricité, mbongo va fout à ka. Tous les travailleurs, il y a SNOB, eux caressés, et il y a mbongo, il y a bino obno, fout à ka l'électricité. Ce qui bino va fout à l'électricité, c'est bateau, wana va vous assou, va salaire, t'es. Bako zoya, va salaire, vie. Bako vanda, bako solola, bon, tout ça, la nengenini, pour que tu trouves solution, il y a électricité. Wana boulou, wana va vous comprendre à côté. C'est pas compliqué. Et là, si les transporteurs aident les Congolais, les transporteurs pour aider les conducteurs là, et les chauffeurs là, pour aider les Congolais, ce qui va matisser taxi à 3000 et bus à 500, je peux vous dire, le gouvernement va se réunir en toute urgence. Soyez intelligents quand même. Ça, c'est pas compliqué à comprendre. Et le gouvernement va s'unir, bako convoquer bango, bako benga bango, parce qu'ils savent que non, les Congolais ne pourront pas payer, soit le taxe minas absent, non, il y a des enfants qui prennent le bus, oui, comme ces enfants-là, pour aller à l'école, bah, soit qu'à bus, bako kate, bah, tiens, 500, comme ça, les enfants vont être asphyxiés, bako kwenve, l'école montre que lave, na pisal montre que kwenve, mais le gouvernement va s'asseoir, tout seul là, nine. Ah, mais au fait, ma kamo va salaire, oh, il faut vous mettre ça va salaire. Pourquoi Matisabino va salaire? Pourquoi Matisabino va salaire? Voilà les leviers que vous avez. Ou bien, bah, moi, on va le taxe, sinon, surtout. Mais il n'y a que comme ça. Lorsque, il y a, oh, y a un petit jeu. De 150 à 250, c'est zéro. De 1000 fois à 1500, c'est zéro. Déjà, les gens paient le taxe à 1500 au Congo là-bas. Donc, bon, Matisabino a 3000, vous allez voir que les choses vont changer au Congo Brazzaville. Il n'y a que comme ça. Et soyons quand même beaucoup intelligents lorsqu'on fait ces choses. C'est clair que comme ça qu'on peut faire les choses. La démonstration, elle est simple. Si vous faites seulement ces choses-là, je peux vous. Mais voilà! Si les Congolais refusent de payer l'électricité, Mpila va trembler. Mpila tremble, convoque les gens. Bête vanda, bête zonza. Wana kama pis. Boko bon malabino boutote. Motaoya en karabinote. Moutou a SN ke kuizo foot courant. Mouke foot amou nouve. Zeng courant kwe nange. Mouke vanda foso yina. Bakouya ou bête abinote. Mouta ou bête abinote. Mouta ou kangabino zate. Aouna tabino la bolon kote. Wana paye bobo banga. Et les transporteurs, pardon, bon, ben, quoi, parole à le compte de Courbevoie, il y a que comme ça, vous aurez, bon, ce qui après, bon, négocier, ce que vous aurez, ça va prendre des lignes, mais bon, tiens, non, bon, t'as un égétal, le colisal. Alors, on va pas remettre, commencer maintenant, Fungula, maintenant, le Congo, c'est un bétou. Épisode 3, il m'a dit, il y a un bakala, il y a un bokilaka, le député de la République. Il n'a que député de la majorité présidentielle, il devait. Mwani. Il devait mwani, yandi yayi, betri l'outil sa yande awa. Pour que ben nyos ben tala. Et ben kouwa ben mosi, il devait mwani qui va s'exprimer. Épisode numéro 3. N'oubliez pas demain. Émission spéciale, édition spéciale à 12h, heure de Paris, samedi. 12h, heure de Paris, 12h, heure de Brazzaville. Dommage pour ceux qui seront dans les cérémonies de mariage, mais il se passera quelque chose sur la chaîne Ziana TV, le face-à-face. Brice Landry de Colo, camp de Courbevoie, face à lui, il aura le député Yves Mwani. Un récupéré, ça va être version de façon officielle, puisqu'il a dit que non, il veut s'exprimer dans des médias. Il a besoin d'être en face d'un journaliste, pas poser une question. Moi, je sais m'exprimer en français, mais j'ose, puis l'INA. Voilà, c'est ça, vrai, bande, poser une vraie question.
et à l'entreprise, le face-à-face. Demain, à partir de 12h, le face-à-face, le comte de Courbevoie sera avec M. Idever Mouani. En attendant, Betke Loutis Abeno, Elemo Yahi, Benoukou a déjà, ma membre Yann, Yann Jonzaka, épisode numéro 3, on a collé Sabino, épisode numéro 3, il y a eu des messages là. Nous avons eu trop salamou pendant un mois. Donc, donnez-moi le temps que je calme l'élément et pour que nous l'utilisons bien. On va aller voir ce monsieur. Il y a un dia, il y a un membre, il y a un zoza. Bon, fongo la mato, il y a un siko, il y a un ouvert, moine. Faut monter le volume déjà. Pour que bino toi congolais, bon tendre oreille. Ben Koua Ben Mous. Le Congo ça commence maintenant avec Idover Mouane. C'est ce problème. Si aujourd'hui la police n'est plus respectée, si aujourd'hui les populations s'organisent pour assurer leur sécurité. Et je pense que ça a commencé un peu à calmer les choses. Les Koulouna commencent à comprendre que si on dirait qu'on nous tend des pièges, si on nous attrape, c'est fini. Ils se sont calmés depuis qu'on les brûle. Mais oui. Parce que c'est des gens qui vivent dans les quartiers. Maintenant, comme il y a des comités de surveillance de chaque quartier a pris ses responsabilités. Puisque la police est démissionnaire. On t'attrape, c'est le pneu. Tu es tapé, tu es frappé, on te brûle. Bon, les petits là, puis s'ils viennent en recours, le matin ils viennent reconnaître les lieux. Ils comprennent qu'il y a des comités comme ça de surveillance. On est piégé. Chaque nuit, chaque bloc a un guetteur. Bon, c'est dangereux. Ils se sont calmés, les petits là. Donc, c'est pas le chanvre qui les poussait, puis ils continuent à prendre du chanvre. Mais il y avait un laisser-aller. Maintenant, comme ils ont compris qu'il y a des pneus partout et facilement ça peut brûler, bon. Moi, un petit m'a dit, il y a un computer là-bas, à Mikalou, il a crié, ah, bon, père la police, bon, père la police, ah, camarade, ma complice, la ville de Goyeba, mon père la police, raté, ah, bon, père la police, quoi. Et, donc, donc, vous savez que, il y a une police ici. Les gens se sont mis à rire. Bon, tu vois, un bandit attrapé, lynché correctement, et il a pour réflexe, ah, la police vienne, parce que c'est la police qui les sauve, qui les encourage, en les mettant là-bas, quelques jours après, on sort. Il est sauvé, mais alors que les populations t'attrapent, c'est là, là au Congo, elle est là, tout le monde est là, c'est la sentence. Et le cinéma de Congo, les gens sont fatigués de ça. Là, il a fui, il a comme montré son impuissance. Donc, on est en train d'aller point par point. Quand on finit la police, tout de suite, là, le Bininga là, doit sauter. Automatiquement, il doit sauter. Et essayer parce que la démocratie se repose sur ces deux piliers-là. Et il y a des principes vraiment rudimentaires à respecter. À savoir l'isonomie et l'isogoria. L'autre, l'isonomie, c'est être égaux devant la loi. L'isogoria, c'est ce qui garantit la liberté d'expression. L'expression, effectivement. Et quand on voit que notre article 25 de la Constitution stipule clairement les choses en nous donnant le droit d'exprimer nos opinions librement, par écrit, image ou quoi, et on voit un grand, tu sais que tonton là-bas, déçu. Mon vieux, tu vas.
Hein? J'avais toujours beaucoup de respect pour lui parce que je me disais que le président n'a plus d'adversaire. Tous ses amis sont presque morts. Qui pouvaient le regarder dans les yeux et lui dire un certain nombre de vérités. Il n'y en a plus. Oui. Il n'a que des enfants. Bon, tu vois, quand tu viens t'hasarder à parler à quelqu'un qui connaît l'histoire mieux que toi, quand tu arrives, tu dis ah, laisse, va lire tes livres. Ça, je connais. Donc, ça te refroidit. Ça te refroidit. Bon, or, il y avait quelqu'un, ils sont restés deux, le vieux Peter et lui. Nous fondons nos espoirs chez les deux, là. Les seuls capables à venir devant lui, lui dire, chef, voilà. Bon, si tonton Tiba fait comme ça, moi, j'ai peur. Parce que même si l'idée pouvait émaner du boss, hein, pour dire, non, boss, regarde, l'article dit ça, on ne peut pas prendre ce truc-là. Et puis, dans ce qui est dit, il y a des brins de vérité. Hein? On a mal fait. Tu comprends? Bon, corrigeons. Il ne peut pas venir prendre sa voix. S'il a manqué cette lucidité-là, une franchise-là, de dire, de rappeler à son chef ça, bon, je commence à avoir peur. Hein? Parce que c'est ça, hein? Lorsqu'un chef est entouré des gueux, hein? Le pire à craindre, c'est de voir les gueux dans leur démarche travestir toute forme de vérité pour embobiner celui qui malheureusement leur a tendu l'oreille. Donc, moi, je pense que c'est ça. Et dire ça, on est contre personne. Hein? Parce que, qu'on le veut, non, le gâteau tel que posé sur la table où chacun s'en chevrette pour venir s'assurer avoir un bon morceau. Mais ce gâteau-là, c'est nous qui sommes allés le chercher. Hein? Pour qu'il soit là, sur la table-là. Ni Ndengue, ni qui que ce soit, aucun de ceux qui sont là a été chercher ce gâteau-là. Hein? C'est au prix de plusieurs sacrifices. Nous avons hypothéqué même nos études en 88 pour essayer de faire le contrepoids pendant que toute la jeunesse était divisée soit en soutien de Kolela, soit en soutien de Pascal. On n'était pas nombreux, mais pourtant, tous ces gens-là qui veulent le poste d'aujourd'hui étaient bien là, mais ils n'ont pas osé. Bon, on a su les laisser faire. Ils ont été nommés par respect de notre guide. On accepte, mais nous les observons. Mais après un moment, on évalue, on se rend compte qu'ils sont nuls. Ils ne nous atteignent même pas la cheville. Ah bon? On les nomme comme ça, ils ont débattu nulle part. Ah tiens. Hein? Ils n'ont jamais fait de la politique. Ils ne connaissent pas comment réagissent les peuples. Bon. À un moment donné, on a compris que le président peut-être était en erreur. C'est un être humain. C'est un être humain. L'erreur étant immanente des hommes. Bon, ben, lui, il en fait partie aussi. Il faut corriger, il faut dire quelque chose. Parce que lorsqu'on ne dit pas, on devient complice. Hein? J'ai des bons rapports avec mon grand, ouais. Bon, on n'a pas de rapport d'argent. Mais dans le combat qui consiste à défendre le président, je le vois souvent à mes côtés. Bien que lui avec ses fonctions, moi sans fonction. Mais l'abnégation, surtout la détermination, est souvent la même. Oui. Bon,
c'est un allié. Je ne veux pas aujourd'hui l'envoyer à la pentance. Mais dans mon tribunal, sur les plateaux de ma balance de justice, hein, je pense un peu pour qu'il soit déplacé ou enlevé à ce poste-là. Tiens, en toute objectivité, hein, je le dis. Edgar Morin disait que le propre de l'être humain est la reconnaissance de la subjectivité. En toute objectivation, en s'appuyant sur un postulat pour rendre le plus objectif le but qu'on aimerait atteindre. Hein? Bon, s'il faut chercher le postulat, je pense que sur tous les tableaux, les grands là ont failli. Tu es d'avis avec moi quand même? Je me rends compte que ta verve oratoire n'a pas tari. Ah, mon grand frère, vraiment. Non, cher aîné, mais tu sais que nous toi-même, tu peux en témoigner que le petit que tu connais, oui. C'est un gueulard, un bavard, mais il parle pas. Il joue même les moutons. Il joue les moutons. Toi, tu me connais. Tu me connais. On a mené les combats ensemble jusqu'à la prise de pouvoir en 97. On a travaillé ensemble, tu sais. Mais j'observe Dieu. Je suis respectueux de cet homme-là, le président. Les gens ne comprennent pas. Comment toi, ça va pas t'étonner. Quand même, je me permets d'aller dans pas tu dois intimider, lire un communiqué contre Mokoko quand il a appelé à l'insurrection. Mais quand je lis ce papier-là, nombreux ne m'ont pas compris, même ceux du pouvoir m'ont vilipendé. Ce qui était d'une incongruité sans précédent dans la mesure où je suis allé l'intimider. Mais si mon grand Ngwe m'avait appelé pour me dire, petit, il n'y a que toi qui peux lire ça, parce qu'il sait, Laura, mais je te dis la vérité, Laura, il connaît Laura, il sait que, mais il m'a appelé, là. Il me dit, tu es où? Viens. Je viens, il dit, bon, regarde la déclaration. Il a dit ça. Hein. Il dit, bon, regarde. Il faut chercher un homme. Je dis, oui, je vais faire. Mais j'ai été inspiré. Je vais faire ça. Mais mon coco refusait d'aller chez un type pour se faire entendre. Là. Mais quand j'ai lu le papier, là, c'est lui-même qui s'est rendu. Parce que la menace était de taille. Et dis, bon, comme ça en est ainsi, bon, j'appelle à la grande vigilance et que advienne que pourra. Quand on dit ça, donc, chez Mokoko a vu d'abord pendant les élections, tu es au courant, moi je suis allé en Caï, il était aussi logé à l'hôtel à 2 heures, même l'émirat a appelé RFI, Moigny est venu avec ses militaires. Il a réveillé mon coco à 3 heures. Ah, il est là. Il est dans les murs. C'est sûr que ça se l'a envoyé en mission. C'est grave. RFI, tout ça là, oui, il y a un tueur qui est là, tout ça. Mais demande le DFN à l'époque, à Caï, leur soutien, les militants sont venus encercler l'hôtel. Mais Petit a pris position. On a dit à la police, si vous êtes complices, vous ne les dispersez pas. Nous, on va agir. Et le même jour, au commis, Talisha devait quitter Dolissi pour venir à Caï, mais il a traversé les allées à Sibiti. Ah, Zabé, il devait. Mais nous, on a fait des choses ici. On a un nom qui fait peur.
tu m'as tué ce matin. Non, vieux. Mais les gens qui commandent pensent que nous, on est fini. On n'est pas fini, vieux. Nous, on les observe. Hein, on se disait que bon, tant mieux que mal, ils vont gérer. Mais là, ils ne gèrent plus. Ils ne suivent plus. On doit prendre nos responsabilités. Hier, je croyais. Mais aujourd'hui, je me rends compte que nombreux, vieux, je ne te cache pas, tu me connais, nombreux ne me valent pas. Ça, au moins, tu es d'accord avec moi. Nombreux. Non, tout à fait. Sur plusieurs plans. Je connais mon cadet. Oh, vieux, même la place de Mboulou, là. Et tu sais que si, par hasard, hein, je dis ça comme ça, que le président dit, bon, j'ai une cartouche, ici qu'on est dans ce domaine, bah, il devait être ministre de l'Intérieur. Tu sais qu'il y aura tremblement de terre. Mais vieux, toi, tu es colonel à la police, tu es mon vieux. Hein? Il n'y aura pas de tremblement de terre. Naturellement. Parce que, et à la police, et à la gendarmerie, et à l'armée, et les bandits dans les rues, on se dit que bon, là, on dirait le président a un problème avec nous. Ah, Zabé. Zabé. Monsieur, là, il faut un truc comme ça. Parce que, regarde, Mboulou, il n'est pas charismatique, il ne peut pas faire peur. Mboué, Mboué, pas avoir peur de lui. Même pas. Quelqu'un, tu es court, tu parles comme une femme. Tu n'as pas de passé, donc il est conscient que toi, on t'a bricolé. Tu es là pour tes sous. Tu traverses que les petites pour les passer les nuits orgiaques, tout ça. Bon, mais. Hein? Bon. Donc, tu n'as pas de carrière. Tu es plus. Bon, à la limite, tu es comédien. Hein? Bon. Ça ne va pas passer. Mais vieux. Mon grand langue, mon vieux langue, votre corporation politique là, et policière, si vous entendez ce mot, il devait, au nombre, déjà vont se passer le message, ah, ce n'est pas un homme de concession. Lui, ce n'est pas l'argent. Le gars est à la rigueur. Mais attends. Déjà, au niveau de la police, les gens vont changer. Les petits qui prennent le 2000-2000, là. On va changer ça. On va changer ça. C'est très clair. Première décision, tout le commandement de la police se réunit. Je dis, bon, c'est moi le ministre, c'est moi le politique. C'est moi qui serai interpellé là-bas au Parlement. Pas vous. Est-ce qu'on est d'accord? Bien. Je respecte ce que vous allez faire, tout. Bon, maintenant, là, nous allons évaluer chacun, poste par poste. Voilà. Il ne peut plus y avoir une communication ou la mise en lumière d'un cadre de la police sans pour autant qu'il soit accompagné de moi. Et c'est clair. Mais vite, les trucs qu'on voit là. Oh non, il est allé avec escorte. Pointe noire, tout ça là, faire le cinéma, on filme et puis on balance. Ça, c'est le culte de la personnalité. Ça ne fait pas de police, ça. On voit dans tous les pays au monde, mais un directeur général, ce n'est pas un politique. Tu soumets ton programme au ministre. Et c'est le ministre qui oriente. Mais lui, là, il ne peut pas faire, il a abandonné tout au vieux Ngwe. Et le vieux Ngwe, je crois tout permis, parce que son ministre de tutelle, c'est presque un charme. Hein? Oh. Mais il faut corriger, il y a des choses à corriger. Les amis, alors là, on était dans l'épisode numéro 3. Tout y est. Non, il demande à Bininga, il faut qu'on le vire. Alors, Mboulou, c'est un court bonhomme, là, qui ne sait même pas parler, parle comme une femme. C'est un charlot, un comédien. Le Ngwe, lorsqu'on dit le Ngwe, là, c'est Jean-Dominique Oué, non, et Jean-François Ndengue, hein, lorsqu'il dit ça. Celui-là, le cul de la personnalité, tout ça, là. Donc, les amis, j'imagine demain, Ndengue Kozala, pour tout vie, mais pour tout is Gomakala, is Bikana. En tout cas, Akimatea Yakaya. Donc, l'obie Kozala Moto.
montre face à face avec le comte de Courbevoie, avec les rappelés, membre de sa réseau. Et bien, bien sûr, les arbres, il faut se faire qu'ils vendent. Combien de ces arbres, Zosa aussi, hein? On s'attend que ça va être très compliqué. Même pour le comte de Courbevoie, hein? Parce que là, ce n'est pas un petit morceau en face quand même. Hein? C'est quelqu'un qui manie bien la langue française. C'est quelqu'un qui s'y connaît aussi. Et lui, il a toutes les informations, les députés de la République. Il y aura le feu demain samedi à partir de 12 heures, heure de Paris, 12 heures, heure de Brazzaville. Maninga, on aura le temps de se lever, de bien préparer l'émission, tout va là, bien en forme. Ah là, vraiment, ah, ça va chauffer. Alors les amis, épisode numéro 4, Révan d'Ambassi, épisode numéro 5, vous allez aller, il y a un mois, il faut tout ça là-haut, tout ça là-haut. C'est lui l'homme du moment aujourd'hui. Il n'y aura pas le courant. Bon, d'accord, il n'y aura pas le courant. C'est super. Bon, quand tu as courant, la vidéo, mais bon, on va t'avoir en rediffusion. Hein? Et vous allez en avoir la Maniga. Bon, ça a été un réel plaisir pour le week-end. Il ne reste plus qu'à vous souhaiter un excellent week-end, Maniga. Je vous souhaite à tous vraiment un excellent week-end. Ben Union, ben Lucie, ce week-end a bien. Bonne fête de droits de la femme, des droits des femmes, Baninga. Maître Pesaya, côté à Kento, Boubiaï. Vraiment bonne fête à Ben Union, ce Boubiaï. Donc, générique à Boubiaï, Maître Kouen, Maître Kouen, dans l'église, à Papa Castano, Boubiaï, Maître Kouen, dans générique à Boubiaï. Et au Senga, à Papa Castano, à Couture, Bissot, semaine, Oyo. Parce que lui aussi l'a parlé, donc Nania aussi, il devait au moins lui aussi à l'oublier, mon collègue. Les amis, vous étiez dans la matinale c'est du lundi au vendredi, 7h, heure de Paris. Aujourd'hui c'était trop mouvementé, trop que c'est que vous avez mis. Vous avez vu que vous êtes quand même, ouais mais moi bah lâche, bah le mot tchaba, comme moi, basse navino, impossible, ah, là la monnaie à côté, impossible, oh, bonjour à toutes les femmes, même vous, hein, mais maintenant là, il ne va pas amener que ça là, bon. Au moins, il devait hasard et courage. Les amis, la matinale, c'est du lundi au vendredi, 7h de Paris, 7h heure de Brazzaville. On se retrouve lundi dans les nouvelles aventures de la matinale. N'oubliez pas demain votre rendez-vous à partir de 12h. Et le 17h dimanche, va revenir sur ça. Les amis, Betketa là, si Bet Linda Davis aussi V, na il devait moigner aussi en quiz dans le 17h dimanche parce que là-bas, il y a tous les panélistes qui sont là-bas, qui l'attendent aussi. Va à peine à Posana Yekuna dans le 17h dimanche. Donc, on va essayer de négocier tout ça là parce qu'il a envie de parler. Donc, s'il parle demain avec Deco, il pourra aussi parler dans le 17h du monde. C'est son moment à lui. Il a beaucoup de choses à dire. Il veut parler. Les amis, la matinale, le lundi au vendredi, 7h de Paris, 7h de Brazzaville. Les amis, n'ayez pas peur. Que Dieu bénisse le Congo. Allez, ciao, générique. Cette semaine, on m'envoie des messages pour me dire, ah, on a volé chez toi 22 milliards. OK. Mais Yves Gassoni, c'est moi, hein? Mais je ne sais pas de quoi vous parlez. Et puis, les gens me disent, mais il faut répondre. Je dis, mais je vais répondre pour dire quoi? Un fou se lève quelque part. Il balance une histoire. Et moi, je vais répondre à ça. Ce qui s'est passé, c'est qu'un vol à main armée a été commis en juin 2021, donc pas chez le pasteur Castano, non, mais dans une extension de l'église Impact Centre Chrétien au Congo, à Brazzaville en particulier, dans le quartier OCH. Un braquage à main armée en plein jour a été commis. Et ils ont volé quoi exactement? Ils ont volé la somme de 150 millions de francs CFA, pas 900, 150 millions de francs CFA et environ 150 000 euros.